Merci. Bravo, bravo, docteur. Je peux témoigner que j'ai vu le rêve là. Et il faut que vous tous et vous toutes vous rêviez de la même façon. Vraiment, vous allez m'excuser, vous allez être indulgent, je ne peux pas faire une synthèse d'une telle communication. Parce que il y a tout toute la personne de docteur qui transparaît dedans, les témoignages et tout, mais je reconnais qu'il nous a vraiment enseigné sur ces trois personnages et même Émile Zola. On a appris des choses sur Émile Zola. Donc, vu le temps, je vais commencer par donner la parole tout de suite pour que les gens interviennent, les gens posent des questions, les gens fassent des contributions, parce que c'est vraiment une conférence extraordinaire et originale. Merci encore, docteur. Il faut que... Oui. Et l'interpellation est très forte. Donc, il faut que chacun de nous aille réfléchir pour voir comment il peut ou elle peut contribuer à ce qu'on se lève pour sortir notre pays de ce qu'il vit aujourd'hui. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Bonsoir à tous et merci pour la parole. Merci au docteur de nous embarquer dans son vol, dans son avion privé et de nous faire un cours d'histoire gratuitement. Maintenant, vous allez passer à la caisse. Le sommet de la raison engendre des monstres. Au regard de nos sociétés actuelles, des conflits communautaires et de tous les maux qui miment aujourd'hui notre société, comment le docteur imagine le réveil de la raison ? Quelle structuration serait idéale, à votre avis, pour ce réveil ? Merci, tantie la modératrice. Merci au conférencier docteur Assable Gassid Ouedraogo. Je voudrais commencer mon intervention par une petite anecdote, quelque chose que j'ai remarqué dans l'affiche. Ce n'est pas docteur Assable Gassid Ouedraogo, c'est docteur Assable Gassid Ouedraogo. Il n'y a pas Seydou. Je ne sais pas si c'est juste une question de design ou c'est une renaissance. C'est la question de la place sur l'affiche. D'accord. C'est mon père qui m'a donné Seydou, qui m'appelle aussi Assable Gassid, donc je ne peux rien faire pour enlever ça. Voilà. Donc c'est bon. Allez-y. Alors, docteur, votre conférence m'a beaucoup édifié et me réconforte dans ma position que on entend très souvent que la jeunesse manque de repères. Et moi, j'ai toujours répondu en disant que c'est archi faux parce que les repères ne sont pas que parmi les vivants. Et avec ce que nous avons écouté tout à l'heure, on comprend que très souvent, c'est parce que nous, jeunes, nous refusons d'aller chercher les repères où ils sont. Les repères sont parmi les morts et il y a même parmi les vivants des repères. Mais peut-être que c'est un conditionnement qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de repères, nous voulons ceux-là qui sont capables de parler coup bas, politique et autres, d'occuper un certain nombre de postes de responsabilité. Sinon, c'est des repères pour se construire et construire l'avenir du pays. Il y en a et il faut que nous acceptions aller vers la recherche de ces repères-là. Alors, l'exercice est aussi intéressant parce que je me dis que ça permet de se remémorer et de connaître les figures de proue qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso. Et à travers les trois personnalités et à travers sa manie de le faire, Dr Assable Gassid a réussi à nous montrer qu'il n'y a pas que les trois figures qui ont été présentées, mais au-delà de ces trois figures, il y a bien d'autres figures. Mais pour des questions de temps, il a bien fallu qu'il circonscrive son intervention en axant la communication sur les trois repères. Et je voudrais préciser que moi, je suis enseignant de français du lycée. J'ai fait cet exercice avec mes élèves de terminale. Je vous donne un nom et vous me dites ce que cela vous inspire. Et j'ai donné Tiefo Amoro en terminale A. On n'a pas été capable de dire quelque chose sur lui. Sur Gimbi Ouattara, rien sur elle. Sur Wezin Koulibaly, rien. Sur Jacqueline Kizerbo, rien. Sur Philippe Zenda Kabore, rien. Donc vous comprendrez que la question, le problème, il est profond. Et à travers de telles conférences,
si nous avons la possibilité d'impliquer aussi des élèves du secondaire, ce serait intéressant parce que la bonne graine, il faut qu'on la sème depuis l'origine, depuis la base. Monsieur Nebier, on pourra raccourcir un peu. Ça marche, tanti. Merci. Alors, la question maintenant, docteur, c'est vrai, votre communication n'a pas porté sur l'économie, mais vous êtes un économiste. Et je voudrais vous poser cette question, ou bien vous demander ce que cela vous suscite comme commentaire. Justin Damo Barrow, qui a été ministre de Thomas Sankara, raconte dans une émission que Thomas Sankara, panafricaniste, anti-impérialiste, révolutionnaire, n'envisageait pas de quitter le franc CFA. Et j'ai vu sur Facebook que cela a suscité beaucoup de commentaires des gens qui ont traité Thomas Sankara de faux anti-impérialiste parce qu'au-delà de tous ces discours, il n'envisageait pas quitter le franc CFA. Docteur, vous qui connaissez Thomas Sankara à travers les écrits, vous aussi, en tant que révolutionnaire, qu'est-ce que cela vous suscite comme commentaire? Merci bien. Il ne faut pas répéter ça fort. Hein. Je ne vais pas aller. J'ai dit pas avant 70 ans. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je vais inviter les autres intervenants à être brefs et concis pour que vraiment tout le monde puisse profiter de ces échanges-là. Merci en tout cas pour tous les apports. Merci, docteur, pour. En tout cas, cette communication que j'ai beaucoup appréciée, je pense qu'on a beaucoup été édifiés. Et je voudrais tout d'abord vous dire que, en ce qui concerne votre interpellation à travers les trois personnalités que vous avez présentées, je relève ici l'importance de la fondation, le fait que nous devons nous fonder sur nous-mêmes à partir de notre histoire. Et cela par la reconnaissance de notre identité. Et la fois passée, j'ai eu le temps de le dire, que si nous ne prenons pas le temps de nous enraciner dans nous-mêmes, je pense que nous ne pouvons rien faire qui soit capable de nous unir. Et je crois bien que le gouvernement burkinabé a compris cela. Et il y a environ, je crois, 8 ou 9 jours de cela que le gouvernement a reconnu que nous avons une religion qui s'appelle une religion traditionnelle et qui sera prise en compte dans l'observatoire des faits religieux au Burkina Faso. Cela est beaucoup déjà appréciable. Et ensuite, j'ai également écouté l'ONU qui a dit qu'on a refusé de délivrer des cartes d'identité à certaines personnes parce que ces personnes se sont dépigmentées. Ça veut dire que ces personnes ont trafiqué leur personne, leur personnalité pour devenir autre personne. Donc, c'est pour vous dire que la question de l'identité, du fondement, elle est très importante parce qu'il faudrait que nous commencions par là. Ensuite, votre deuxième interpellation, c'est la nécessaire union. J'ai été beaucoup édifié aussi à ce niveau, mais comment opérer la nécessaire union? C'est là l'interrogation, parce que quand nous remarquons ça et là, ce qui nous gouverne le plus, c'est les intérêts partisans qui font que il est très difficile d'opérer dans une seule union parce que chacun lutte pour ses intérêts, chacun vise ses intérêts. Et pour moi, l'une des stratégies telles que vous êtes en train de le faire, c'est cette formation à travers l'éducation que nous pouvons former les consciences. Et également, il faudra également qu'il y ait des leaders qui puissent vraiment éclairer, tels que vous et tels que d'autres personnes, pouvoir encadrer cette jeunesse-là, être mobilisée, pour qu'on puisse créer cette dynamique pour pouvoir entamer cette union. Et je crois bien que vous avez eu à le dire. Ensuite, je voudrais terminer par un petit conseil. C'est à l'endroit de mes jeunes frères. Au temps de Norbert Zongo, moi j'ai eu la chance, j'étais dans la même classe que son fils, Guy, et quand on l'a assassiné, on est venu nous dire que de rentrer à la maison parce que ce jour, on n'aura pas cours. Et quand chacun est monté sur son vélo VTT, on partait à la maison. Et quand on s'approchait de la cour de Norbert, on a vu une foule immense qui était amassée. Et c'est son oncle qui est venu vers lui l'attraper pour lui annoncer le décès de son papa. On était tous choqués. Et après, on était tous engagés dans la lutte pour défendre la justice pour Norbert Zongo. On a vu des gens qui sont venus vers nous et qui ont mobilisé et qui ont, en tout cas, participé à la lutte. Mais après, ces mêmes personnes qui étaient au devant de la scène ont retourné leur veste contre ceux
qui étaient engagés dans la lutte. Et je crois que ces mêmes personnes qui avaient, en tout cas, enclenché un certain nombre d'actions, moi j'ai eu le temps de voir cela, et qui ont manipulé des jeunes pour brûler des édifices publics, brûler des biens publics. Moi j'ai vu comment ça s'est passé par la suite, parce que c'est regrettable. Et donc je prends le soin de dire à mes jeunes frères qui sont ici présents, lorsque quelqu'un vient vous manipuler ou bien vient vous dire « faites ceci, détruisez cela ou cela », il faudra arriver à réfléchir par deux fois avant d'agir. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que moi, j'ai eu le temps de faire cette expérience. Merci bien. Je suis un master de philosophie et je suis chercheur en philosophie de développement. C'est inhabituel, mais c'est ça. Alors, je pars d'un constat. Votre question de l'opinion publique, que moi j'appelle mémoire collective, qui doit être une conscience collective. Les familles en général se disent, Burkinabés se disent pauvres, mais les mêmes familles sont capables de faire des mariages, des funérailles à des dizaines de millions. Le gouvernement se dit pauvre et on est convaincu qu'on ne peut se développer qu'à travers l'aide au développement. Rien que ce matin, je voyais sur la page de la présidence un deuxième accord pour le millénium américain. Alors, concrètement, il y a quelque chose qui cloche. Vous-même, vous venez de dire le sommeil de la raison engendre des monstres. Est-ce qu'il n'y a pas des intellectuels ici pour dénoncer cela et, j'allais dire, articuler de manière cohérente ces perspectives? Et cet engagement, est-ce qu'il ne doit pas aller au-delà de l'individu? Par exemple, présentement, c'est vous que je vois, en qui je me reconnais. Il y a aussi le professeur Mahamadi à travers son journal Akili. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'engager collectivement, par exemple, les économistes ou bien les philosophes, les sociologues, pour nous questionner, nous donner des réponses, articuler les questions sociales? Donc là, en fait, on n'est pas seulement à l'université, mais l'université sort de ses cadres de revues, de colloques, de cours pour s'intéresser à des questions sociales de manière sociale. Comme les religieux aussi ont quitté les lieux de culte pour rentrer dans les marchés pour évangéliser ou bien pour clamer aussi au désert. Et je termine par là. Alors, je sens en quelque sorte une sorte de réserve rationnelle, de discrétion. Et là, je fais une relation avec l'esclavage et la colonisation. En ce moment, il y avait des intellectuels, la négritude, ou bien pendant la colonisation, des intellectuels qui criaient « libérez, libérez ». Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a pas de raison objective pour dire on est dominé, alors qu'on a été aussi esclave et dominé que la période néocolonialiste dite indépendante. Est-ce que cette réserve-là ne doit pas faire place à une conscience bruyante? Alors, merci. Une fois de plus, je remercie le docteur, le conférencier, pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il fait pour la jeunesse. J'aimerais aussi dire que quand on veut qu'un arbre prenne une forme, il ne faut pas le laisser devenir sec, sinon vous le casserez. Alors, on a une génération aujourd'hui de tête baissée. Tout le monde a la tête baissée. Cette position devait nous profiter si nous faisions des recherches, si nous questionnons en nous référant à l'histoire. Mais je suis au regret de voir que cette génération de têtes baissées, c'est une génération de têtes baissées de Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok et ainsi de suite. Et je vais demander au docteur. Monsieur Sagnon, s'il vous plaît, il faut accélérer. D'accord, bon, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Malgré le froid, okay, essayez de parler rapidement, ça va vous réchauffer. Je vais finir. Oui, oui. Je demande juste au docteur de s'investir encore plus, parce qu'il le fait déjà. Pensons à la jeune génération. Déjà, dans les lycées et collèges, dans les écoles primaires, formons cette jeune génération. Ceux qui sont déjà raides comme des bois, il serait difficile de les mettre dans les rangs. Je vous remercie. C'était ma contribution. Merci beaucoup.
En tout cas, merci une fois de plus pour votre disponibilité. Et moi, mon intervention, premièrement, c'est... Bon, nous entendons toutes ces belles paroles, donc nous parlons donc de construction, des hommes de demain, de valeur. Bon, à Ouagadougou, bon, nous, on a l'occasion et le privilège donc, d'entendre ces paroles. Maintenant, il faudrait peut-être que l'Institut pense à étendre donc, sa géographie d'action, surtout dans les provinces, qu'il y ait des relais donc, pour essayer donc, d'aider donc, le Burkina profond donc, à construire des hommes de valeur donc, de demain. Mm-hmm. Et vous avez terminé donc, votre conférence sur donc, cette citation. Quand le peuple se lève, le terrorisme tremble. Nous savons très bien que le quotidien de tous les Burkinabés, donc, actuellement, donc, c'est sur ce problème donc, de terrorisme. Maintenant, comment est-ce que les Burkinabés donc, peuvent se lever pour contrer, donc, résoudre ce problème de court terme? John Menakens dit qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc, à court terme, comment est-ce que donc, nous comptons donc, résoudre donc, ce problème qui mine vraiment notre existence actuelle? Okay. Donc, je vous remercie. Ok, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, grand frère. Et je ne suis pas trop surpris de votre capacité à refaire l'histoire. Quelqu'un qui a lu Joseph Kizerbo, c'est très logique. Et vous avez parlé de la conscience historique. Nous savons que la conscience historique est le socle qui permet au peuple de se bâtir. Mais surtout, c'est bâti sur l'histoire des hommes qui ont vraiment brillé. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que cette conscience historique peut s'installer sans une question politique? Parce que si je prends Joseph Kizerbo, il était déjà très célèbre, mais il a décidé à un certain moment de se lancer dans la politique. Quand tu prends Cheikh Anta Diop, qui est un grand historien aussi, à un certain moment, il a décidé de se lancer dans la politique. Est-ce que l'aboutissement ne peut pas venir? Est-ce que la solution, ce n'est pas la question politique? Okay. Comme le disait Sankara, le problème, la source du mal était politique, donc les solutions ne pouvaient qu'être politiques. Okay. Merci. Oui. J'aimerais demander à cher docteur, voilà, quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner, nous, jeunesse aujourd'hui, qui assistons actuellement à une lutte entre voilà, les revendications au niveau des syndicats et les revendications au niveau de l'État. Est-ce que nous ne sommes pas en train de demander c'est la bière pour nous et puis bon, l'eau boueuse pour la population qui n'est pas, je veux dire, les autres qu'on n'a pas considérés comme voilà les intellectuels, les cultivateurs et autres. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Bonsoir docteur. Merci beaucoup. C'est toujours des moments édifiants de vous écouter dans vos prises de parole. Je voudrais juste apporter une contribution et rebondir à ce que vous avez dit et montrer la grandeur, en tout cas du Père et du Fils, mais en tout cas du Père dans une action qu'il a posée. Et vous savez bon, ce qui s'est passé, hein, et c'est pour ça aussi que les témoins aujourd'hui de l'histoire doivent dire l'histoire. Parce que cette question de la bibliothèque qui a brûlé, qui a été saccagée, n'a jamais été vraiment dit. Et je passe sur ça. Quand il était en exil, quand il est parti en exil, Sankara l'a fait appeler 3 fois. Je vous passe les noms de ceux qui l'ont envoyé. Et à chaque fois, il a dit, je ne viens pas. Il a dit, non, rentre, le pays a besoin de toi. Il n'est pas venu. Et je sais aussi que quand il est rentré, il était toujours à côté du vieux Joseph Sankara. Kizerbo ne pouvait pas faire 1 mois sans venir s'asseoir avec le vieux, paix à son âme, et échanger avec lui. Quand il y a eu le décès de la maman en 2000, il était là pendant 1 semaine. Il vient le matin, il reste toute la matinée. L'après-midi, à une certaine heure, il revient. Et au bout d'une semaine, et ça m'avait montré la grandeur de l'homme, au bout d'une semaine seulement,
Il a enlevé son enveloppe et il a remis au vieux. Pendant que les gens arrivent tout de suite, ils donnent l'argent. Lui, non, il était là, assis à côté, j'étais témoin, assis à côté du vieux. Et un jour, ça, c'était pas au moment du deuil. C'est qu'un jour, dans ses discussions avec le vieux, et c'est ce que vous avez dit, il a dit, papa, et enfin, je reconnais mes vrais ennemis. Et c'est ce qu'il a dit. Et donc, si le temps avait permis que les deux hommes restent en vie, ils se seraient rencontrés et les gens auront compris qu'en réalité, il n'y avait pas de conflit. C'était idéologique. Le seul conflit qu'il y avait entre les deux était idéologique et c'était tout à fait normal. Mais dans les faits, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de contradiction. Voilà, je voulais apporter ce témoignage. À chaque fois qu'on a l'occasion, en tout cas en tant que vivant, on peut aussi dire certaines choses pour établir l'histoire. Voilà. J'ai été particulièrement séduit par, en tout cas, la corrélation que le docteur a établie entre ces grandes figures de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Mais j'ai tout de même une préoccupation et parce que je suis des collectivités territoriales et je pense que par principe de subsidiarité, on aurait pu, comme beaucoup de personnes l'ont signalé avant moi, et en tout cas élargir ces cadres au-delà des capitales que constituent Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Je m'explique. Je réponds pour faire court. Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent de Dori, de Ouargaï, de Tenkodogo, de Fada. Et lundi, je vais à Bobo pour aller rencontrer les jeunes de Banfora, de Dougou, Worodara, ainsi de suite, Gawa. Là, c'est pour faire court. Même si l'année prochaine, on va faire, j'espère, plus fort encore pour mailler le pays. Merci. D'accord, merci déjà, docteur. Merci. Et j'ai l'autre préoccupation, c'est comment faire pour que, dès la naissance, et en tout cas, les Burkinabés s'approprient de ces grandes figures. Je m'explique. Avant de venir à cette conférence, j'ai fait une devinette avec des enfants qui jouaient dans ma cour. Et j'ai demandé premièrement à mon enfant, et qui est ton repère aujourd'hui? Il m'a dit Superman. Alors, ensuite, j'ai demandé à l'enfant du voisin, qui est ton repère? Il m'a dit Batman. Je ne sais rien de tout ça jusqu'à présent. Alors, je me suis senti un peu perdu. Est-ce que, docteur, vous avez une solution magique pour moi ce soir? Merci. Docteur, merci. Ça vous sied ainsi? C'est parfait. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous pour les interventions. Je vais d'abord commencer à dire que les remerciements qui me sont adressés, je les prends pour le groupe, pour mes camarades, pour mes compagnons qui sont derrière et qui font un travail important. Par exemple, hier à 2h du matin, j'ai une séance de travail avec mon ami Sano David qui est en France sur cette conférence. Et c'est avec lui que j'ai discuté de Mama Konaté, c'est avec lui que j'ai discuté de Sotigui Kouyaté. C'est lui qui m'a appris que Sotigui Kouyaté jouait. Je savais qu'il était footballeur, mais je ne savais pas que c'était au Racing Club de Bobo. Voilà, donc, et ainsi de suite. Donc, c'est pour expliquer que c'est toujours un travail de groupe. Et tout à l'heure, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de s'affairer, ainsi de suite. Malheureusement, souvent, c'est comme cela. On n'a pas le temps ou on ne rend pas suffisamment hommage à ceux qui sont dans l'ombre, qui font un travail majeur. Et j'ai le bénéfice souvent de porter une parole qui n'est pas seulement mienne, qui est la parole de tous mes camarades. Free Afrique est un réseau de chercheurs et donc bien souvent, j'en suis le porte-parole, j'espère même que ça va s'arrêter bientôt, en tout cas qu'on va avoir beaucoup de porte-parole. Mais c'était une stratégie qu'on avait portée qui était qu'on avait besoin d'une parole porter comme cela parce que j'étais celui qui était libre pour le faire en ce moment. Donc, c'est pour expliquer cela. Ça me gêne beaucoup quand on personnalise sur ma personne. Même si je comprends que certains nous trouvent seuls, et ils ont raison, on n'est pas si nombreux, on voudrait être plus nombreux, mais je ne crois pas au nombre, vous le savez, avec la théorie des minorités historiques. Mais je sais qu'il y a des minorités parmi vous, donc rejoignez-nous. Les étudiants qui sont étudiants en économie, qui sont très sérieux, qui veulent apprendre le métier, qui sont très sérieux. Ce n'est pas qu'ils sont les plus brillants, non. Qui sont très sérieux, qui travaillent beaucoup. Venez. Venez, on va changer le monde. Venez à Free Afrique. Si vous avez entendu, j'ai dit les étudiants, j'ai dit les jeunes. Parce que j'ai fait l'expérience avec les autres, ça ne marche pas fort.
C'est avec la jeunesse qu'on va changer le pays. Nous sommes un... Oui, j'explique. Nous sommes un réseau de chercheurs en économie, mais vous avez compris que ce n'est pas seulement l'économie qui nous intéresse. Mais j'ai peur d'être inondé, c'est pour ça que je ne dis pas les autres. On cherche des jeunes très brillants en histoire économique. On cherche des jeunes très brillants en gestion de projet. On recrute à page publicité, BF1, tu fais la petite réclame, Free Afrique recrute. C'est un grand institut de recherche. Les salaires ne sont pas très élevés, c'est très bas, mais ils sont très forts, ils sont gentils, ça se passe bien. Venez changer la vie avec nous. Gestionnaire de projet, jeune sociologue qui écrit. Le critère important pour nous, c'est d'écrire bien ou d'avoir de grandes capacités d'écrire. Parce que je crois que quand on écrit bien, c'est qu'on pense bien. On ne peut pas écrire bien sans bien penser. Mais on peut bien penser sans bien écrire. Donc, c'est le critère qu'on tient. Donc, vous êtes jeune, venez. Ça va être très compliqué de nous voir parce que jusqu'à la on ne peut plus avoir rendez-vous avec nous jusqu'à la troisième semaine de septembre parce qu'on est full. Mais on est très heureux de rencontrer des jeunes. On m'avait demandé lors de la formation avec les jeunes avec lesquels on a traîné jusqu'à 3h et jusqu'à 23h, quelle est la chose la plus difficile que Free Afrique a ? Ils ont pensé que c'est une question d'argent. Non, je vous ai expliqué, notre Boeing est là. Et puisque vous êtes tous montés pour aller à Ouida et aller à Blanza, ça coûte cher, donc on va avoir l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui est notre principale limite. Ça ne veut pas dire qu'on est riche. Notre principale limite sont les ressources humaines. Donc c'est vous qui nous manquez, venez à nous. Alors, ceux qui veulent faire comme Free Afrique, c'est surtout ce qu'on espère aussi, faites comme Free Afrique. Mettez-vous en concurrence avec nous, saine, pour faire mieux que nous, ça va nous réveiller également. Mais ce n'est pas facile de nous battre. Hein. Nous, on travaille beaucoup. Hein. Beaucoup. Hein. D'accord. Alors, il y a la première intervenante qui, comme Tanti l'a dit, ce n'est pas parce que les femmes sont moins nombreuses que les interventions ne sont pas de grande qualité. J'ai été très ému d'écouter ma grande sœur et j'ai été très heureux d'entendre la première question, qui est une très belle question. Comment on réveille la raison dans notre pays face aux conflits communautaires ? Il faut d'abord comprendre donc que la raison est en sommeil chez nous. Il faut acter cela. Qu'est-ce que c'est que le sommeil de la raison ? Le sommeil de la raison, c'est tous ces gens qui savent des choses et qui se disent « De toute façon, on ne va pas m'écouter. De toute façon, je ne suis pas la mieux placée. De toute façon, je ne peux rien changer. De toute façon, le président est mauvais. De toute façon. » Si c'est parce que le président est mauvais qu'on ne travaille pas, moi je ne sors plus de chez moi, vous savez, non ? Vous connaissez mon point de vue sur la gouvernance du pays, en gros de plusieurs pays africains. Le sommeil de la raison, ce sont ces gens qui ont pour métier de réfléchir et qui oublient souvent leur métier. Des fois, ils n'ont pas tous tort, parce que c'est extrêmement difficile, les métiers de la réflexion sont difficiles dans notre pays, comme universitaire, comme journaliste, comme artiste, comme créateur, comme grand sage, comme les érudits de l'islam, de la religion, et c'est très difficile parce que la précarité sociale affecte ce secteur-là. Par exemple, moi, je peux devenir extrêmement riche en faisant toute autre chose. Je dis riche en argent, quoi. Mais si je fais ça, je vais devenir plus pauvre en d'autres choses. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut qu'on ait beaucoup d'argent. Mais il faut reconnaître que l'instituteur qui est dans le village, qui devait être une lumière dans le village, est en difficulté à réfléchir parce que s'il veut acheter des livres et ainsi de suite, c'est très compliqué. Donc ça explique ça, la condition sociale et économique explique ça. Mais ce n'est pas seulement la condition sociale et économique, ce n'est pas la clochardisation de la fonction de réflexion dans notre pays. La fonction de réfléchir est clochardisée dans notre pays comme dans plusieurs pays africains. Et cette fonction de réfléchir ne pourrait pas redémarrer simplement si on donne des salaires, si on donne de l'argent. Il faut que ceux dont c'est le métier fassent leur métier. Donc je m'adresse à nous, universitaires, c'est notre métier. Nous avons une chance extraordinaire. On nous paye pour lire. Vous imaginez ? On nous paye pour être intelligent et pour rendre les autres intelligents, on espère. On nous paye pour travailler sur ce qui nous intéresse. C'est ça l'universitaire. L'universitaire est libre. Libre si on n'est pas universitaire. On nous paye pour qu'on dise que moi je suis économiste, je vais travailler sur le terrorisme, je m'en fous de ce que vous pensez, je travaille sur le terrorisme parce que je suis économiste et ça m'intéresse. Et comme je suis formé comme chercheur, je vais le faire de façon crédible parce que j'ai une méthodologie scientifique rigoureuse que je vais le faire. Et malheureusement, l'université ne remplit pas cette fonction dans notre pays. Le sommet de la raison
est expliquée par le sommeil de l'université. Les universitaires ne sont pas les seuls responsables, mais puisque je suis universitaire, je dois commencer par battre ma coulpe, premièrement. Deuxièmement, le sommeil de la raison, c'est la clochardisation des autres métiers de la réflexion, les créateurs, les journalistes. Regardez, il est extrêmement difficile d'avoir dans notre pays un journaliste qui a 20 ans d'expérience dans le même quotidien ou dans le même organe de presse, ainsi de suite. Pourquoi ? Les organes de presse sont tellement fragilisés au plan socio-économique que les journalistes, très vite, trouvent un autre métier à faire que de rester dans le métier de journaliste. Pourtant, les journalistes peuvent écrire des éditos. Et on n'écrit pas un éditeur après la quatrième année de formation, de pratique. Les éditorialistes sont des journalistes chevronnés qui ont 15 ans d'expérience, qui ont 20 ans d'expérience et qui dédient leur vie à cela. Les chercheurs, les comédiens, les artistes, les créateurs, les plasticiens, les chanteurs. Vous connaissez Bazoumana Sissoko ? Bazoumana Sissoko, le vieux lion du Mandé, c'est le grand-père de Bassirou Kouyaté. Vous connaissez pas Bassirou Kouyaté ? Oh, vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est un immense musicien du Ngoni qui a fait des choses formidables avec le Ngoni. Allez chercher sur Internet. Bassirou Kouyaté, son grand-père Bazoumana Sissoko, était un musicien de génie du Mandé, du Mali, et qui était aveugle. Et un jour, pendant la colonisation, les colons ont fait une descente, l'armée coloniale a fait une descente et a violenté des gens dans le village. Et Bazoumana a pris son Ngoni, il est parti au cimetière, il a commencé à jouer, il n'est plus revenu. Et on lui demande pourquoi, il dit que les gens qui sont au village ne méritent pas que je joue. Ça a engagé une révolte. Il dit, les gens ne méritent pas que je joue pour eux parce qu'ils ne sont pas des hommes. Donc, par son art, il a réveillé la société. Donc, c'est pour expliquer que, vous connaissez la Russie de Staline. La Russie de Staline a été ébranlée par l'archipel du Goulag. C'est le livre de Alexandre Solzhenitsyn. C'est un immense écrivain, c'est un créateur, c'est un penseur. C'est ça la pensée en hibernation, la pensée le sommeil de la pensée. Comment on réveille ce sommeil de la pensée? C'est une question qui revient à plusieurs reprises. Alors, je vais être très concret. Nous avons engagé une initiative depuis le mois de janvier avec mon frère, professeur Illy, avec peut-être d'autres qui sont là, où on a voulu rassembler juste les universitaires et les chercheurs pour réveiller le pays. Donc, on a drafté, on a écrit une tribune sur laquelle on est en train de discuter. Nous sommes une vingtaine, dont le professeur Mamadé Saradogo, des philosophes et des linguistes, ainsi de suite. Je pense depuis janvier, février, on est en train d'essayer de nous accorder là-dessus. On ne s'est pas encore mis d'accord là-dessus. Donc, le mouvement va davantage prendre. Ce n'est pas pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire est génial, mais c'est ça qu'il faut faire. Et j'espère que la COVID a mis ça en parenthèse un peu parce qu'on était reparti sur d'autres fronts, mais il faut qu'on réveille ça rapidement. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que d'autres doivent faire dans leur métier. C'est ce que les comédiens doivent faire en se réunissant. C'est ce que les artistes doivent faire en se réunissant. C'est ce que les prêtres, les pasteurs, les imams, les chefs traditionnels, c'est ce que les sages, c'est ce que les jeunes doivent faire en distribuant leur indignation dans la priorité. C'est ce que nous devons tous faire pour nous mettre ensemble, pour être plus intelligents et réfléchir ensemble. C'est ce que les collectivités territoriales doivent faire. Donc, c'est pour expliquer que la raison, même si l'université en est en principe le temple, je dis en principe et seulement en principe, c'est nous en tout cas, elle est partout, il faut l'exercer. Elle est partout, nous pouvons l'exercer. Donc, c'est ce que je crois, il faut prendre des initiatives. Je félicite déjà cette formation, ces jeunes, parce que je sais que vous êtes en réflexion, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire contre les conflits communautaires. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à faire cela. On vous encouragera, il faut le faire. Il ne faut surtout pas dire que je suis seul, je ne fais pas, non. Il ne faut surtout pas dire qu'on n'est pas nombreux, sinon vous n'avez pas compris les minorités historiques. Il ne faut surtout pas dire que l'autre est plus méchant, non. Il faut jouer sa part de partition. Alors, l'autre question de Boukari, c'est Justin Barrault Damo, oui, sur le franc CFA. Bon, et Sankara. Qu'est-ce que je peux dire pour être succinct sur le sujet? Il y aura une réponse. On va organiser une réponse parce que Free Afrique doit faire un travail sur la politique économique de Sankara. On est en train de se documenter de façon systématique là-dessus. J'ai un projet de bouquin qui progresse actuellement avec Bruno Jaffré, le biographe de Sankara. Et ce projet de bouquin doit nous permettre d'être informés également sur la politique économique du président Sankara, qui était une chose exceptionnelle. Ce que je peux dire, c'est deux choses. La première,
Si Sankara voulait sortir tout de suite de France CFA, et c'était son projet en 1983, vous l'aurez entendu. Vous êtes d'accord? Vous l'aurez entendu. Ce n'était pas son projet immédiat, sinon il l'aurait fait. Et ça doit nous interroger. Que ceux qui disent que, donc, que ça veut dire que Sankara est ici, Sankara est ça, bon, on ne parle plus de ça. Est-ce que quelqu'un peut encore dire que Sankara est ici, Sankara est ça encore? Entre nous, franchement, sur son intégrité, sur son dévouement à son pays, sur son courage, c'est indiscutable. Mais le fait que, moi je suis chercheur, mon domaine de spécialité c'est monnaie banque, ce n'est pas sur ça que vous m'entendez le plus. Quand je suis rentré, on a commencé nos activités, nos premières conférences étaient sur les Français CFA, il y a des jeunes à Kourougou qui nous ont écoutés là-dessus, ainsi de suite. Je ne fais plus de ça. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. Le débat est piégé aujourd'hui, c'est devenu un débat tellement imbécile que n'importe qui peut se faire applaudir. Il suffit simplement de dire qu'on est contre les Français CFA. Alhamdoulilah, on vous applaudit. Et si vous voulez dire non, on peut être contre, mais on dit, hey, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc il faut s'ouvrir à de l'intelligence. La deuxième chose qui fait cela, c'est que j'ai compris que c'était un exutoire pour beaucoup d'entre nous. C'était tellement facile pour casser du sucre sur l'impérialisme français qui existe, ce qu'il faut tenser. Mais je voulais dire à la récente conférence que le président Sankara a passé l'essentiel de son temps à parler à son peuple, des leaders de son peuple, et à dénoncer l'impérialisme international, mais l'essentiel c'était nous-mêmes d'abord. Parce que si vous pensez que c'est l'extérieur qui est le problème, vous êtes en train de dire que vous n'existez pas dans l'histoire, c'est ça, que vous êtes dans le décor. Donc j'insiste sur cela pour dire que je crois profondément que le président Sankara ne pouvait pas gouverner le pays durablement sans, pas de façon théorique, sans dans le concret poser cette question. Mais ce qu'il a fait, les résultats qu'il a obtenus sont tout aussi importants que s'il avait posé la question des Français CFA. Vous oubliez une chose, la question de la dette, c'est la monnaie, vous ne vous rendez pas compte. La question de la banque, c'est la monnaie, vous ne vous rendez pas compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on pourrait faire une conférence là-dessus. Je ne vais pas dédire Justin Dabo-Barrow, mais je sais une chose, Sankara était une théorie opérationnelle, rivée sur l'efficacité du moment. Ce n'était pas un mec borné qui disait il faut dire ça et puis c'est suffisant, on rentre dormir. Non, il voulait changer la condition de son pays, des masses majoritaires, des majorités du pays. Il a changé cela en 4 ans. Donc, le fait qu'il ne l'ait pas fait avec juste des slogans nous enseigne des choses. Nous enseigne des choses. Maintenant, encore une fois, on peut revenir sur le franc CFA dans une autre conférence. Maintenant, Nebié... Monsieur Bamouni, comment opérer l'union nécessaire? Oui, mais merci Tanti. Mais avant, je voulais indiquer que sur Tiafo Amoro, Gimba, il y a des historiens, il faut leur demander des conférences là-dessus. Il y a un jeune, c'est pas un jeune, c'est mon grand frère, Noufou Zougmore du journal Mutation, qui est un excellent journaliste. C'est vraiment une personne superbe, Noufou. Vous pouvez l'inviter à dire des conférences sur ces questions-là. Alors, sur l'union, précisément la question de Bamouni, comment opérer l'union pendant que les intérêts partisans traversent la question? J'ai écrit dans un article qu'on a partagé aux jeunes, un article, c'était mon premier article scientifique en 2003, qui s'appelle « Trajectoire historique, actualité et perspective du panafricanisme ». J'ai écrit à la fin que, pour moi, le panafricanisme, c'est la rencontre des différences pour la fortification de l'ensemble. Et ça rejoint la question de la collectivité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement? Ça veut dire que si nous considérons que l'union ou l'unité va se faire en effaçant nos singularités, nos personnalités, nos traits distinctifs, on va faire des génocides. Si nous considérons qu'on doit être tous les mêmes, égaux, même teint, tout, peut-être que moi, on va me brûler davantage pour que je sois plus noir, mais ça, c'est compliqué d'être plus noir que moi, ou en tout cas, on va brûler d'autres pour qu'ils soient plus autant que noir que moi, ou bien on va me blanchir. Ça serait une mauvaise chose. C'est pour dire que l'unité, c'est une conjugaison des différences pour fortifier les différences, pas pour les affaiblir. De sorte que vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où l'union n'est pas nécessaire. Je vous donne un exemple concret. La mairie de Houndé a reçu 900 millions, je dis ça souvent pour que mon ami le maire ait des problèmes de redevabilité au niveau local. il va avoir des problèmes. A eu plus de 900 millions cette année via le fonds de développement minier. Est-ce qu'il a besoin de venir à Ouagadougou discuter avec vous de qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Vous êtes d'accord avec moi?
Il doit discuter avec les populations là-bas. Il n'a pas besoin de repartir avec, voir les gens de l'Est là pour parler de quelque chose. Eux aussi, ils ont reçu pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière, est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin, pour financer la Semaine nationale de la culture, d'aller à Liemoua? Non. Par contre, aujourd'hui, le Burkina Faso a impérativement besoin d'être avec les pays africains contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin d'être avec les pays africains contre la désertification. Le Burkina Faso a besoin d'être avec les pays africains sur la question monétaire. Il a besoin d'être avec les pays africains sur la question des banques, sur la question de notre relation avec l'extérieur. C'est ça, le juriste appelle ça le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce qui est mieux à gérer, ce qui est pertinent à gérer au niveau collectif, que ce soit au niveau collectif, ce qui est plus pertinent à gérer au niveau intermédiaire ou local, que ce soit à ce niveau. C'est ça qu'il ne faut pas faire de dogmatisme là-dessus, sinon on va avoir des situations très difficiles. Maintenant, concrètement, comme on exerce ce principe, on l'exerce en donnant de la respiration à la décentralisation dans notre pays, en faisant en sorte que les communes aient des ressources. Je suis partisan à ce qu'on donne aujourd'hui de l'argent cash à toutes les communes burkinabè qui sont en terrorisme ou qui sont en risque de terrorisme. Je l'avais déjà indiqué, pour qu'en particulier, elles creusent des puits. Parce que là où les gens ont fui pour venir à Kaya, faire en sorte qu'en une année, la ville de Kaya a triplé de taille de population, il faut plus de puits pour que les gens aient à boire. S'ils n'ont pas à boire, ils vont s'entretuer. On va dire que c'est une histoire de municipal. C'est d'abord une histoire de ressources qui est devenue rare. C'est comme ça qu'on crée l'unité, en donnant des ressources au niveau local. Et je suis davantage pour que la question des conflits communautaires, on les règle aujourd'hui au niveau national. Une de mes dernières questions est consacrée à ça. Je donne une autre initiative. Nous sommes engagés avec une association qui s'appelle Saint-Film, à Free Afrique, on va élargir, à construire des paroles fortes avec des leaders qu'on va filmer sur la question de pour que vive la patrie, pour que la patrie ne meure pas, pour que la nation ne meure pas. Donc ça peut être le cardinal, ça peut être l'imam, ça peut être le chercheur, ça peut être le journaliste, ça peut être le footballeur, ça peut être le musicien, ainsi de suite, qui vont parler pour que ça parle sur les hommes. C'est une manière de nous mettre ensemble. Mais ça, on ne peut pas le faire simplement au niveau local aujourd'hui. Il faut qu'on le fasse ensemble jusqu'à ce niveau. Et peut-être même qu'il faut qu'on le fasse au niveau des pays sahéliens. Bon, juste un mot, ce n'était pas une question, mais pour Bamouni, le décès de Norbert, je l'ai indiqué la dernière fois, il faut que nous apprenions à protéger nos minorités historiques. C'est une défaillance que nous avons. Si nous n'avons pas la capacité de reconnaître au sein de nos communautés les personnes qui apportent, qui sont des points d'ancrage des communautés, parce que ça, en réalité, on n'existe pas sans la communauté. C'est qu'il y a des personnes que les communautés utilisent pour leur bien-être. Il faut les protéger, c'est extrêmement important. Maintenant, la question, donc j'ai répondu à la question, comment les économistes, par rapport à Mamadi Savary, j'ai répondu à ça. Peut-être toujours avec Kelegwende, sur la question de, on n'a pas de raison objective de s'opposer à la domination coloniale. Non, j'ai dit, le plus grand type impérialiste, ce n'est pas celui qui est le plus radical dans le discours, c'est celui qui concrètement construit l'indépendance nationale, dans le concret. Regardez, il y a des jeunes, dont des jeunes frères que je connais très bien, que j'admire, ils ont fait des choses superbes. Je ne sais même pas si on aurait pu faire ça si on était aujourd'hui étudiants. Ils ont rébaptisé l'avenue Sankara quand le grand blanc, enfin il n'est pas si grand que ça, l'autre, venait ici. C'est superbe. Ils ont voulu refuser que ça se dégoûte, c'est superbe. Et ils dénoncent aujourd'hui la présence des armées étrangères dans notre pays. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'ils aient le deuxième pied. Et ce deuxième pied doit être plus avancé que le premier. C'est le pied de réclamer qu'on construise l'armée nationale burkinabè. Parce que si vous demandez qu'on construise l'armée nationale burkinabè, dans tous ses compartiments, avec professionnalisme, avec respect des communautés, au service des communautés, pour les communautés, par les communautés, une armée qui ressemble à la nation, si vous demandez ça, en réalité, vous aurez le premier que vous avez demandé de façon frontale. Maintenant, sur la question de... Bon, j'ai expliqué sur l'étendue géographique. On va faire des choses nouvelles. On va faire des choses nouvelles en 2021. Et on espère avoir la baraka, la grâce pour faire ça au profit de tout le monde. Mais on a fait des conférences à Manga. On a fait des conférences à l'intérieur du pays, à Wayugia, devant des jeunes de 4e. On a fait des conférences. On continue de faire. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, sur la question, il faut vraiment qu'on soit ensemble
Et être ensemble, c'est construire. Ce n'est pas attendre qu'on se retrouve tous les 20 millions de Burkinabés. Non, non, ensemble, c'est tout de suite. Par exemple, nous, on est ensemble, là, hein, avec les jeunes, là, on est ici, on bavarde. Les gars, c'est bien, non? C'est génial ce que nous sommes en train de faire. On plaint ceux qui ne sont pas avec nous. Hein. On est tellement heureux, je vous assure. La vie est belle. Maintenant, on a commencé à préparer nos mouchoirs parce que ça va finir dimanche. Ce n'est pas simple, mais bon. La vie est ainsi faite. On va se retrouver parce que c'est qu'on va rester ensemble. Est-ce que la conscience historique peut s'installer sans la question politique? Oui. Oui. Petit frère, on en a discuté. Tu connais mon point de vue là-dessus. Il n'y a pas de saucissonnement sur les choses. Regardez. J'aurais pu être en train de parler en tant que parti politique comme cela. Ce n'est pas interdit qu'un parti politique fasse ça. Mais vous savez très bien que ce n'est pas ce qu'on attend des partis politiques. Donc, si c'est pour que j'aille quelque part où on ne fait pas ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Je répète, le pouvoir n'est pas à Kossiam. Détrompez-vous. Le pouvoir n'est pas à Kossiam. Le président de la République a moins de capacité que moi, moins de pouvoir que moi pour changer les jeunes que j'ai en face de moi. Il a moins de capacité que moi. Parce que ce n'est pas son métier. Moi, j'ai ce pouvoir, mais personne ne l'a donné, je l'ai pris. Vous avez compris? Le président de la République a moins de contribution sur l'opinion publique qu'un bon journaliste. Vous avez compris? Voilà. Donc, prenez le pouvoir partout où il est. Si on n'a que des politiques, on est foutu. Mais ce n'est pas une fuite en avant. Hein? Non, vous avez tout à fait raison. Le mal est politique, la solution sera politique. Mais la politique, ce n'est pas ce que vous croyez, jeunes gens. C'est parti politique, je suis d'accord. Mais ce n'est pas les partis politiques tels qu'on les vit maintenant, où je parle de vide programmatique. Il n'y a pas de réflexion dans les partis politiques. Regardez une chose. Nous sommes à quelques mois des élections. Dans un pays déchiré, objectivement, oubliez la polémique, objectivement, qui que vous soyez, vous connaissez la différence qu'il y a entre l'opposition et le parti au pouvoir sur les conflits communautaires? À part que si je viens, je vais changer. Ah, vous connaissez la différence? Vous savez comment ils vont faire pour lutter contre la vie chère? Vous savez ça? Vous savez comment ils vont faire pour éradiquer le terrorisme? Vous savez comment ils vont arrêter la désertification? Pourquoi? Parce qu'on n'y réfléchit pas. La vérité, c'est ça. Ce n'est pas une insulte contre les gens qui sont dans les partis politiques. C'est que le parti politique, dans sa forme aujourd'hui, tel qu'on le pratique, malheureusement, ça pose ce problème. Donc, vous ne me verrez pas dans ça. Si je veux faire parti politique un jour, vous allez savoir, et j'espère que ça ne sera jamais comme ce qui se fait actuellement. Et je vous engage aussi à ne pas faire parti politique de cette manière-là, sinon on n'apporte rien à personne. Engagez-vous en politique, mais changez les choses en politique. Ne faites pas les choses pour dire, bon, moi je suis un intellectuel, je vais arrêter ça maintenant, puis je vais être politique. Vous devez être partout le même. Partout, vous devez être le même. Ok, donc je suis d'accord avec vous, c'est une question politique. Mais la politique telle que vous l'envisagez n'est pas forcément cela. Maintenant, sur la vie chère, Sana, oui, je reviens là-dessus. Pour faire court, il y a des gens qui croient qu'en augmentant les salaires, ils sont de très bonne foi, en augmentant les salaires des fonctionnaires, on va résoudre les problèmes. Vous avez raison, je n'ai pas fait le calcul récemment, mais mon salaire a augmenté depuis 2013, je suis ancien à la faculté, de plus de 70%. Je ne suis pas devenu plus heureux, je n'ai pas été meilleur prof. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé mes conditions de travail. Si mes étudiants en master à qui j'ai fait un cours de méthodologie n'ont pas la connexion dans le cours, je ne vais pas être le meilleur comme je peux l'être ailleurs. Si je n'ai pas un bureau pour recevoir mes étudiants comme Sansara que j'ai reçu à mon bureau de Free Afrique, je ne peux pas être aussi bon que si je l'ai. Si je n'ai pas une bonne bibliothèque pour les envoyer dans ma bibliothèque et que je dois photocopier mes propres livres et que j'achète des millions de livres chaque année, ce salaire ne va pas changer ma situation. Bon. Mais parlons même pas de ça. Parlons même de ma condition concrète d'enseignant. Bon. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, si je suis universitaire, je n'ai pas vocation à posséder des maisons et des maisons et des maisons. Non, l'université, ce n'est pas ça. Hein. S'il a ça, c'est que c'est un accident, il a eu peut-être loterie, ou bien il est devenu plus Nobel d'économie, on lui a donné de l'argent. Ou un truc. Sinon, l'universitaire n'est pas... Regardez le professeur Yonaba, quelqu'un que j'admire. L'universitaire n'est pas quelqu'un qui est là pour gagner de l'argent. Très bien. Mais je veux une maison quand même. Mon travail, ce n'est pas construire une maison. L'État, au lieu d'augmenter mon salaire, doit organiser mon accession
au logement. Vous avez dit que c'est la théorie de la Sablega. Non, c'est l'action de Sankara. Sankara fait ça. Il y a des fonctionnaires qui ont eu les 1200 logements ici, qui ont eu la cité Azimou, pardon, la cité Tamouaga, à l'intérieur du pays aussi, ainsi de suite. C'est ça la réponse à la vie chère. Pourquoi? Si vous dites que la vie chère, vous allez y répondre en augmentant les salaires, vous ne traitez que les salariés. Il y a 200 000 fonctionnaires burkinabés pour un pays de 20 millions d'habitants. Quand on est gentil, ça fait 1%. Quand on est gentil, sinon ça fait exactement 0,7%. Si vous augmentez leur salaire, c'est bien pour eux. Moi, j'en fais partie. Mais l'économiste que je suis doit vous dire, on peut augmenter mon niveau de vie sans augmenter mon salaire, en permettant que j'ai accès à des logements que je peux payer sur 20 ans et j'arrête de réfléchir au logement, de parler ciment. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Nous, on fait la recherche, on lit les livres, c'est ça qui m'intéresse. Et celui qui doit construire, construit pour moi. Et je suis dedans pour 20 ans, je commence à payer. Et puis, on dit que ça devient pour toi. Je dis, ah, c'est bien. Moi, je ne savais pas que ce n'était pas pour moi. Hein. Je suis dedans. C'est cela qu'on doit organiser. La vie chère, ce n'est pas de baisser le prix du carburant au plus bas. Quand vous baissez le prix du carburant, vous donnez plus à ceux qui ont les gros cylindres. Elle dépense 10 litres par jour. Vous subventionnez le carburant de 100 francs, vous lui donnez 1000 francs par jour. Moi, je dépense 2 litres par jour, vous me donnez 200 francs par jour. Mon ami Gourmatier qui n'a rien, vous lui donnez 0 francs par jour. Parce qu'il n'a pas de mobilette. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit construire des bus de grande qualité de transport collectif ensemble dans les villes. C'est ça qui est intelligent. Ce n'est pas la théorie de Rassabga, c'est X9 de Thomas Sankara. Pourquoi on ne peut pas revoir des choses tout à fait immédiates qu'on a vues qui ont bien marché et continuer à le faire? On fait comme si nous sommes maudits et on répétine les mêmes errements. Je suis très, très ravi du témoignage de ma grande sœur qui m'apprend beaucoup de choses. En réalité, c'est bien que ça se soit fait comme ça s'est fait. Parce que c'est ça l'histoire. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'avoir des vagues. Moi, je ne suis pas convaincu que si le professeur Kizerbo était rentré, si on n'allait pas l'emporter avec Sankara. Hein. Je suis très sincère. Donc, n'ayons pas de regrets là-dessus. Grande sœur, continue à faire ce témoignage qui est extrêmement important pour nous, pour la jeunesse. Les gars bavardent de réconciliation nationale, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est concrètement des choses comme cela. Maintenant, Alassane me dit... Oui, bon, Batman, Superman, est-ce que j'ai une formule magique? Je ne suis pas Batman, hein, donc je n'ai pas de formule magique. Alors, il faut vraiment travailler dans l'éducation et dans l'éducation populaire. Et nos artistes doivent investir dans les contes, dans les films pour enfants, pour faire ça, c'est ce que je peux dire. Mais Alassane voudrait savoir aussi comment faire pour que les Burkinabés s'approprient les grandes figures. Oui, c'est ce que je dis. En gros, oui. Bon, cette conférence est là pour ça, mais il faut faire des choses systématiques. Le ministère de la Culture peut lancer un concours de bandes dessinées à destination des grands. Et on va avoir Tiafo Amoro, un grand monsieur qui a résisté à la pénétration de Samori Touré ici. Donc on va avoir des grandes figures qu'on va enseigner. Mais même les figures les plus évidentes, quand les gens disent qu'ils connaissent Sankara, ils savent quoi de Sankara, il faut savoir. Quand les gens disent Kizerbo, on connaît, ils ont lu quoi de Kizerbo. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Il faut une vraie politique publique. Le jour où on sera en train de se développer, vous n'allez pas vous poser des questions, vous allez voir ça. Parce que tout ça va se mettre en place. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un seul secteur de la vie que la révolution de Sankara n'a pas touché. Parce que c'est précisément ça, tout est en mouvement. À l'époque, on y a fait des erreurs, mais c'est comme ça la vie. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui font des erreurs. Mais l'essentiel était que c'était dirigé vers le destin, le bonheur pour l'ensemble de la population. Firmin me demande comment mesurer le bonheur, que j'y peux en parler, parce qu'au-delà de Vagabobo, on a cette difficulté. Bon, je vis de faire les PowerPoint, parce que quand je commence les PowerPoint, je n'arrête pas, parce qu'on a tellement de données dans nos ordinateurs. Dans le rapport de Free Afrique sur le terrorisme, il y a un graphique dedans, le rapport de décembre 2018. Firmin est où? Ah, on a un rapport. On va lui donner un rapport. Vous allez prendre un rapport avant de partir. À une page, à un moment donné, il y a un graphique qui montre les inégalités territoriales dans notre pays. Les inégalités en matière d'accès à la santé, notamment le nombre de médecins par habitant dans les régions du pays et la proportion de la région qui est bitumée. Et vous allez découvrir que les régions les plus défavorisées sur l'ensemble de ces facteurs-là, c'est les régions qui connaissent le plus le terrorisme. C'est le Sahel et l'Est. Donc, ce n'est pas rien. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Je dis souvent que les inégalités sont très importantes et qu'on les néglige parce qu'on pense que nous sommes
dans un pays simplement de pauvreté. La bonne nouvelle, c'est qu'en septembre, nous publions un rapport sur les inégalités au Burkina Faso. C'est un rapport de génie. On a travaillé avant-hier avec mon collègue Mamadou Ouédraogo, un jeune homme économiste brillant. Il est fort, je vous dis, très fort. Donc, on va publier ça en septembre. Je fais du teasing, apprêtez-vous. Et voilà, la question de l'augmentation des salaires, je voulais dire une dernière chose là-dessus. En réalité, l'économiste ne cherche pas l'efficacité, il cherche l'optimum. En d'autres termes, si vous augmentez, moi, ça va m'augmenter un peu mon niveau de vie. Mais si ça augmente mon niveau de vie de 5% et que je peux dire que ça peut augmenter mon niveau de vie de 10% en augmentant le niveau de vie d'un plus grand nombre, c'est ça qu'il faut faire. Quand vous êtes dans un pays extrêmement pauvre, les économistes sont très importants. Ce n'est pas les économistes du diplôme, mais non. Ceux qui font le travail d'économiste, qui est de regarder où on affecte les ressources. Ce n'est pas docteur, bon, pas rien de... C'est la question concrètement de dire, est-ce que les gens sont vraiment dans la dépense la plus optimale? Je pense avoir fait le tour des questions. On va continuer, terminer avec les personnes qui étaient déjà inscrites. Voilà. La Bamana dit chaque jour l'oreille va à l'école. Ce soir encore, nous avons beaucoup appris gracieusement. Je remercie donc le grand frère docteur Assablka pour cette nourriture intellectuelle de haute facture. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir quel était le rapport entre Norbert Zongo et les syndicats, surtout pendant son licenciement. La deuxième question, c'est de savoir quelle est votre opinion par rapport à ceux-là qui pensent que Thomas Sankara n'a pas fait de révolution ou c'est un pseudo-révolutionnaire. Merci. Merci, docteur, pour ces trois repères pour nous. Je suis intéressé de savoir quels étaient leurs repères. Voilà. Voilà. Quels étaient les repères des repères? Voilà, des repères. OK. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons encore des hommes au Burkina qui ont vécu, par exemple, avec Sankara, et bien, tout comme les autres. Qu'est-ce qui empêche les mêmes actions que ces hommes avaient entrepris aujourd'hui, alors que nous avons, comme vous l'avez dit dans un de vos articles, nous avons Sankara partout? Merci. Et je remercie toute l'équipe de Free Afrique pour cette communication. Et ma question a d'abord un volet historique. Le volet historique, c'est de savoir quelle a été la période de début d'activité de Norbert Zongo. Et s'il a commencé pendant la Révolution, quel a été ses rapports avec le président Sankara? Et le volet actualité concerne... Le docteur a eu à dire que ces trois repères doivent être pris en compte pour un meilleur avenir. Alors que quand on va voir, de nos jours, il y a des initiatives qui tendent à médire de ces repères, comme le cas de ma part de vérité de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et qu'est-ce que le docteur en pense? Également, quelles recommandations le docteur a à faire à la jeunesse quant à ces tentatives de médisance? Merci. Ah non, Kafando. Excusez-moi, Kafando. Merci. Alors, j'ai une question. Pendant longtemps, je m'interrogeais, quand je lis Kizerbo et quand j'écoute Sankara, je m'interroge comment est-ce que des esprits aussi brillants et si proches n'ont pas pu travailler ensemble. Et ce soir, j'ai des réponses. J'ai vu qu'il n'y avait pas de confrontation en tant que telle. Je me dis que le duo Intello-Action, Kizerbo-Thomas Sankara, dans une gestion commune au Burkina Faso, aurait été une force développementaliste, aurait été vraiment une accélération historique irrésistible au Burkina Faso. Et donc, il appartient aux héritiers que nous sommes de réconcilier les mentors, s'il y a réconciliation, étant donné surtout qu'il n'y avait pas de conflit ouvert, en exploitant les ressources. Et je veux dire que on a, en sciences politiques, on parle des théoriciens et de l'acteur. Les théoriciens qui, dans la pratique, confronté à l'action, est obligé de modifier sa théorie parce qu'il voit que ça ne marche pas. Et l'acteur qui a une vision beaucoup plus pratique et pragmatique, comment est-ce que Kizerbo et Thomas Sankara, ces personnalités historiques, ont pu transcender
c'est cloison théoricien acteur. Voilà, et aussi je voudrais dire en terminant que Nanlara Ansara est toujours valable aujourd'hui. De même que une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie les bombes atomiques. Donc c'est à nous d'agir maintenant. Merci. Bien, bonsoir. Merci au docteur pour sa brillante prestation. Bon, quand le docteur a commencé à égrener les potentiels candidats par rapport au repère, j'étais heureux qu'on a parlé des bois, la révolte des bois. Bon, à bon bois bas, d'accord, mais si on n'a pas été dans la shortlist, vu quand même la qualité de l'orateur, on allait être quand même édifié. Mon intervention, c'est surtout par rapport au repère. On se rend compte que la volonté ou la tentative de les valoriser n'a pas commencé aujourd'hui. On a eu la chance de participer à l'insurrection en 2014. On a vu que le nom de Sankara était scandé par ceux même peut-être qui ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, on a franchi des paliers. On a l'université Norbert Zongo, l'université Joseph Kizerbo et tout récemment, l'université Thomas Sankara. Donc, je veux dire qu'on a élevé ces repères-là au firmament de la connaissance. Le docteur a dit, entre guillemets, que l'université serait, entre guillemets, le temple du savoir. Ma question, c'est, avec tout ce qu'on a eu à dire, quel contenu on met dans ces universités-là? Est-ce que c'est vraiment du vernis? Ou bien celui qui sort de l'université Norbert Zongo, par exemple, il doit incarner une certaine valeur? Parce que Norbert Zongo, Thomas Sankara et Kizerbo incarnent des valeurs qu'on souhaiterait quand même transmettre à la nouvelle génération. Et en tant qu'acteur de l'université, Joseph Kizerbo, quel contenu on met là-dedans? Est-ce un symbole? Est-ce pour faire du folklore ou bien c'est du populisme? Qu'est-ce qu'on doit retenir à travers ces différents baptêmes-là? Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais faire l'économie des remerciements. Voilà, il y a un pan de ma question qui a été déjà prise en compte, mais je vais poursuivre quand même. C'est par rapport au fait que nous n'arrivons pas à protéger nos minorités historiques ou du moins nos leaders. On a vu le cas de Sankara, nous n'avons rien fait. Norbert Zongo, tout le monde voyait venir, mais on n'a rien fait. Maintenant, de manière pratique, comment nous devons nous y prendre pour pouvoir protéger ces leaders et ces minorités historiques? Je prends un exemple. Il y a un grand savant typique du Burkina qui a dit qu'il a en sa possession des grandes œuvres qui peuvent révolutionner le monde, mais qui n'est pas en sécurité de les publier. Il attend le jour qu'il sera en sécurité ou le jour qu'il sentira qu'il est inutile de les tuer pour les publier. Par rapport à cela, comment nous devons nous y prendre pour pouvoir les protéger et les permettre de publier ces œuvres qui pourront révolutionner le monde? Merci. Docteur Asalga, dans son intervention, il a dit, si l'arbitre veut grandir, qu'il s'appuie. Ah, okay. Ok. Donc, je m'excuse parce que j'étais assis. Ok. Donc, je reprends. Et Docteur Asalga, dans son intervention, a dit, si l'arbitre veut grandir, qu'il s'appuie sur ses racines. Ma question est la suivante. Il y a certains jeunes, une grande partie, qui pensent que de nos jours, ça ne sert plus de suivre les valeurs de ses repères. Parce que eux, en voulant vivre selon ses valeurs, selon ses repères, ils sont où? Toi, en essayant de suivre ces valeurs, ces repères-là, est-ce que toi-même tu pourras changer quelque chose? Ils sont où actuellement? Donc la question que je pose, comment on peut faire souvent pour déconstruire ces mentalités? Merci beaucoup. Alors, voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier mon frère et ami, le docteur Asabalga, pour cette brillante communication. Je pense que le casting a été parfait. Si on devait faire un sondage à l'échelle nationale, je pense que ces trois personnalités-là, en tout cas, allaient arriver à une majorité de personnes en tête. Alors maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est quel trait d'union on peut faire entre ces trois personnalités en termes de valeurs. Moi, j'en vois trois
Je ne sais pas si tu les partages avec moi. Et je vois d'abord le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie, qui est une valeur commune à ces trois personnes. Deuxième valeur importante que je vois, c'est l'intégrité, c'est-à-dire l'intégrité, c'est-à-dire la loyauté vis-à-vis de la nation, la probité vis-à-vis des biens publics. Et la troisième valeur cardinale que je vois pour ces trois personnalités, c'est le courage. Le courage en politique, le courage dans chacun, dans chacun de leurs métiers. Je pense que ces trois personnalités-là ont prouvé qu'ils avaient du courage. Sankara, on ne revient pas là-dessus. Norbert Zongo également, Joseph Kizerbo. Donc je pense que ce sont des valeurs aujourd'hui qui manquent à tous les niveaux, que ces niveaux soient politiques, intellectuels et partout. Ces trois valeurs-là manquent énormément à notre pays. Et je pense que si l'on devrait enseigner ces personnalités, c'est de mettre ces trois valeurs-là devant, surtout pour la jeunesse. Le patriotisme, aimer sa patrie, l'intégrité, le courage. Et ce sont des valeurs que, l'on veut enseigner, éduquer la jeunesse, ces personnes-là peuvent être vraiment des repères pour inculquer et utiliser comme témoins donc des gens qui ont professé et pratiqué ces valeurs-là. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et merci encore pour cette brillante prestation. Monsieur Traoré. Okay. Bien, merci, Tanti. Docteur également. Donc, je vais faire une économie de remerciements. Mais croyez-moi, j'ai une haute considération pour la qualité de ce qui est produit là. Alors, de mes deux questions, l'une a été déjà prise en compte. Ça allait concerner, au fait, le sort qu'on réserve dans l'histoire même à nos minorités historiques. Là, je vous emprunte le mot. Cela dit, comme nous sommes dans l'histoire, ce regard d'économie sur l'histoire est assez intéressant. Mais moi, j'ai comme un peu, disons, l'impression d'un retour de quelque chose, un petit phénomène. Alors, de 66 à Sankara, jusqu'à 98 et en 2014, au fait, vous voyez, les issues de ces bouleversements-là sont un peu à la limite, disons, trop tragiques. Allons-nous attendre peut-être encore de perdre un fils valeureux, une minorité historique peut-être, avant de savoir en réalité qu'est-ce qui manque à tout moment à ces virages historiques, disons, de notre histoire, ces virages importants, pardon, de notre histoire. Cela dit, et même dans les livres de Valère Sommet, à Apollinaire Kelem, récemment à Jean-Baptiste Ouédraogo, dans Sa part de vérité, etc., il y a quelque chose qui ne ressort peut-être pas à satisfaction ou que je n'arrive pas à voir. Cela dit, tant que docteur, bon, historien un peu averti, notre aîné aussi, qu'est-ce qui manque à tout moment? Il y a quel ingrédient qui n'est pas toujours au rendez-vous pour qu'après les éboulements pareils là, ce soit le décollage définitif pour bon, le développement, pas comme les autres à 100%, mais quand même un mieux vivre pour le Burkina Faso. Alors merci, c'était mon intervention. Merci, docteur, nous sommes à la fin de la liste. Alors, il y a eu beaucoup de questions cette fois-ci. Voilà. Alors, Karim me pose la question de savoir quel était le rapport entre Norbert et les syndicats. Il y a des choses à écrire là-dessus. Et c'est une question qui permet de dire des choses sur l'intelligence de Norbert. Norbert était très proche des mouvements sociaux burkinabés. Il était très proche des syndicats. Il a beaucoup aidé les syndicats. Il les formait. Il a beaucoup contribué à la formation de nous autres, de tous ceux qui étaient dans les associations. Le mouvement syndical étudiant, il nous a beaucoup formés à travers des conférences, ainsi de suite. Le mouvement syndical des travailleurs burkinabés, il y a contribué de façon importante. Et ce n'était pas un béni oui-oui des syndicats. Il ne disait pas, les syndicats, c'est formidable, tout ce qu'ils font, c'est bien. C'était un soutien critique des syndicats. C'était un soutien critique des syndicats. Il y a des choses qui se sont passées que l'histoire va documenter. Je ne vais pas en dire plus. Mais je retiens que Norbert a été obligé de créer SADO. Vous vous en souvenez, soutien aux ayants droit de David Ouédraogo.
C'est-à-dire qu'il a été obligé de créer une organisation de la société civile pour soutenir l'affaire David Drago. Je le tiens pour une critique de l'ensemble du monde associatif burkinabé. C'est que je crois qu'il considérait qu'il n'y avait pas un élan suffisant de la part de ces organisations, y compris donc les syndicats, y compris les associations de journalistes, ainsi de suite, pour porter cette affaire-là dans la priorité de l'agenda, comme il a pensé que ça devrait l'être. Deuxième question de Karim. C'est Yabré qui dit... Ah oui, c'est vrai, c'est Yabré, j'ai écrit Karim deux fois. Karim, c'est lequel? Ah, c'est Karim de Wadouya, c'est pour ça que j'écris deux fois. Oui, en fait, mais avant ça, non, il y avait la question de Sankara pseudo-révolutionnaire. Oui, oui, je vais faire la réponse que Sankara a faite à ce monsieur. Sankara a dit à un des grands frères qui disait, écrivait tout le temps que Sankara, c'est pas la révolution, c'est pour chez tout. Il a dit, mais grand frère, ta révolution, elle commence quel jour? Il faut faire la même chose. S'il y a une révolution meilleure que celle de Sankara, c'est une excellente chose, vous êtes d'accord, non? Il faut leur demander juste ça commence quel jour. C'est juste ce qu'il faut faire. Quels étaient les repères des repères? Qui Zerbo a eu comme repère? Brodel. Et Fernand Brodel, c'est vraiment un immense historien. Et les économistes le découvrent à travers l'histoire de la mondialisation. Fernand Brodel a fait sa thèse sur la Méditerranée, le monde méditerranéen. Et sa thèse a vraiment changé la science historique. A été une contribution majeure. Et Fernand Brodel fait partie d'une école historique qu'on appelle l'école des annales. Et ça a été fait avec Bloch, Marc Bloch et d'autres dont je n'ai pas les noms en tête. Et l'école des annales, vraiment, c'est à travers Kizerbo que je connais l'école des annales. Et c'est l'école des annales vraiment qui me permet, qui me fait moi entrer dans la science historique par la porte avec laquelle j'entre. C'est-à-dire que le fait historique y est vu donc comme un fait total. L'histoire, ce n'est pas la suite de la série des événements, ce n'est pas le passé. Non, non, non. L'histoire, c'est les dynamiques de changement en œuvre dans les sociétés. Donc, dans tous les niveaux. De sorte que Brodel a l'histoire de l'art culinaire. Il estime que si vous savez l'histoire de la cuisine des pays, vous connaissez très bien leur histoire. Il y a l'histoire sur les arts vestimentaires des pays. Il y a l'histoire sur l'économie des pays. Il y a l'histoire de la culture des pays, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette conception globale et ça a beaucoup marqué Kizerbo. Kizerbo a également fait une biographie à son père, Alfred Diban, son père. Et cette biographie était un hommage aussi rendu à son géniteur, qui était un homme exceptionnel. C'est une biographie qui est absolument passionnante. En film, ça donnerait quelque chose de tout à fait génial. Et puis, Kizerbo a été dans Identité, Identité pour l'Afrique, le film, là, il en parle. Il a été reçu par Kwame Nkrumah au Ghana. Il était tout jeune étudiant, tout jeune intellectuel. Et Nkrumah était leur aîné de loin. Et Nkrumah l'a beaucoup marqué. Donc Nkrumah a beaucoup marqué Kizerbo. Il se reconnaissait en Nkrumah. Il avait une grande proximité de conscience, j'appelle ça comme cela, avec Patrice Lumumba. Avec Patrice Emery Lumumba. Donc il y a eu beaucoup d'autres noms comme ça qui ont inspiré Kizerbo. Je sais que Brodel a compté, bon, il a eu d'autres maîtres comme ça, mais voilà. Mais il raconte toujours comment l'éducation africaine l'a façonné, comment la société africaine l'a façonné. Et ce que la grande sœur vient de dire, comme elle venait tous les jours, je pense que c'est profondément le résultat de cette éducation qui l'a marqué. Norbert admirait Kizerbo, je sais. Norbert a écrit un papier, un éditorial sublime qui s'appelle Le soldat. C'était sur Lamizana, le président Lamizana. Sous Lamizana, Norbert a eu des difficultés. Il a eu, je ne sais pas si c'est sous Lamizana qu'il a fait la prison. Il a eu beaucoup de difficultés. Mais il a écrit un article, un édito dans son journal pour dire que Lamizana, après tout, c'était un honnête homme. Et c'était un soldat qui servait son pays. Vous savez, le président Lamizana n'a pas détourné de l'argent. Hein. Il a été président 14 ans. Donc c'est vraiment un homme exceptionnel. Même si c'était un Samo. Donc en tant que Samo, il était incompétent sur le plan de développement. Mais bon, il était un grand homme de ce point de vue. Norbert, quand il crée son journal, son premier édito s'appelle Boribana. C'est-à-dire, la course est terminée. On traduit souvent par la fuite est terminée. C'est faux, ce n'est pas la fuite. C'est la course. C'est vrai qu'en Bamana, Bori, ça peut vouloir dire la fuite comme la course. Non, Samori ne fuyait pas. Samori était en course. Parce que sa stratégie de guerre, c'est la guerre en mouvement. Donc, quand Samori Touré crée Boribana, la ville où il veut affronter son destin, c'est précisément parce qu'il ne veut pas fuir. Donc, c'est que la course est terminée, il veut maintenant affronter l'adversaire sur un champ stable. Et donc, quand il écrit ce journal, cet éditeur dans le journal, il est en train de dire, mon dernier combat va se mener dans ce journal.
Je ne quitterai plus mon pays parce qu'on me menace. Je ne quitterai plus ce journal. Je suis là pour faire ça. De sorte qu'on peut penser donc que Samori l'a beaucoup inspiré. Mais Norbert, quand vous le lisez, c'est une érudition incroyable. Hein? C'est général Ngap. Ngap, c'est le grand génie militaire vietnamien qui a organisé les Vietnamiens contre l'impérialisme américain, la guerre américaine, et qui a battu les Français, qui a battu les Américains. Et Norbert a un édito vraiment succulent sur le général Ngap qui montre donc que ça l'inspire. Et c'est précisément sur les révolutionnaires les révolutionnaires vietnamiens, les nationalistes vietnamiens, quand il fait un édito, qu'il explique cette phrase où il dit qu'il y a un vieux qui a conseillé aux révolutionnaires, on va les appeler comme ça, aux nationalistes vietnamiens, qu'il ne faut jamais faire quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas le goût de la sueur. Donc c'est pour montrer qu'il était fasciné par ça. Norbert parlait beaucoup de sa grand-mère. Il disait que sa grand-mère était une dame extrêmement forte, et vous avez connu sa mère, qui était une brave femme, l'histoire de sa mère, donc ça l'a également marqué. Il a connu Sankara. Sankara était son ami, puisque je viens d'indiquer qu'ils ont fait des vacances ensemble, même s'il y a des... Moi, je n'ai pas le détail, mais de ce que Norbert nous a dit, on a vu ça. Sankara a voulu qu'il soit son ministre, ainsi de suite. Il a une grande admiration pour ce que Sankara a été en tant que patriote. Il n'a aucun doute là-dessus. En réalité, la marque des grands hommes, c'est de reconnaître les autres grands hommes. Donc, ne croyez pas qu'en disant que nos pères étaient nuls, vous allez être quelque chose. C'est nos pères qui nous ont enfantés. On ne dit pas non plus de dire que nos pères qui étaient nuls étaient des braves gens. Non. Dieu a fait que nous, on avait des pères très valables. Donc, il faut reconnaître les pères très valables. Et ceux qui n'ont pas été valables, vous les oubliez. Est-ce que la France chante aujourd'hui le général Pétain, le maréchal Pétain? Non. Pétain était majoritaire en 1940 en France. La France était majoritairement avec Pétain, qui était le félon, le général qui a abdiqué vis-à-vis de l'envahisseur allemand, nazi. De Gaulle était minoritaire. De Gaulle s'est retrouvé à Londres, puis à Brazzaville, puis en Afrique pour se faire ses forces. Mais tout le monde est gaulliste d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. En France, c'est De Gaulle partout, De Gaulle nulle part, si vous voulez savoir. Mais c'est lié au fait qu'ils ont fait leur histoire en décidant de s'appuyer sur ce qui les intéresse. Mais De Gaulle n'est pas être notre grand homme à nous aussi. Donc nous aussi, on doit avoir nos grands hommes. Et nos grands hommes, c'est Huizen, c'est Sankara, c'est Kizerbo, c'est Norbert. Donc j'ai dit, maintenant pour Sankara. Sankara, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'aurais bien voulu savoir les livres que Sankara a lus. Il y a beaucoup de choses qui se racontent là-dessus. Et je suis très, très intéressé par ça et les informations que j'ai glanées de gauche à droite, notamment en parlant avec Roland Collin. Roland Collin, c'est un coopérant français très honnête qui vit en France aujourd'hui, qui a été le grand compagnon de Mamadou Dia. Et Roland Collin m'a expliqué, quand je l'ai rencontré en France, il m'a expliqué que Sankara l'a fait venir pour l'écouter sur le développement rural. Et Sankara l'a écouté en prenant des notes. Il était déjà présent, hein. Il l'a écouté en prenant des notes systématiquement. Il a beaucoup remercié après des heures de discussion de l'avoir instruit. Donc c'était ça Sankara, quelqu'un qui posait beaucoup de questions, qui allait vers des gens et qui était très très intéressé par les expériences avant lui, justement la question de l'histoire. Et un autre journaliste burundais qui s'appelle David Gakunzi, qui est un grand ami de Sankara, qui est resté honnête avec la mémoire de Sankara, pas comme d'autres. David Gakunzi m'a expliqué que Sankara avait été terrifié par Sékou Touré. Parce que Sékou Touré, c'était un immense homme, c'était vraiment un monsieur extraordinaire qui a contribué à la lutte pour l'indépendance, qui était un grand démocrate, il était. Il a muté pour être un autocrate. Je vous en renvoie à Kizerbo dans Identité pour l'Afrique, il explique cela. Et quand Sankara est arrivé au pouvoir, Sékou Touré a dérivé, il a tué, il a fait torturer Diallo Télé, il a tué, il a fait le camp Boiro, il faut le reconnaître. Même si il y a deux Sékou, il faut reconnaître cette face-là, sinon on n'est pas dans la vérité historique. Et je pense qu'en 1984, il y a un journal français qui a fait un livre et qui a fait un article et il comparait Sankara à Sékou Touré. Ça a profondément blessé Sankara de ce que David Gakunzi m'a dit. Et donc, il avait une horreur de dériver comme cela. Pourquoi David Gakunzi m'a dit ça quand je l'ai rencontré au Bénin? À l'époque, j'avais 23 ans. Parce que j'ai demandé à David Gakunzi, mais finalement, parce que moi, j'étais très fâché contre Sankara, et c'est maintenant que je suis en paix avec lui. Ça a été très, très difficile. Je me suis dit, mais franchement, le gars-là, il ne nous aime pas, quoi. Il ne nous dit pas la vérité, il ne nous aime pas. Il ne peut pas faire tout ça, il voit que ça marche bien, et puis il voit que c'est lui qui porte ça, et puis on va le tuer, quoi. Vous comprenez? Peut-être que vous vous êtes posé cette question. Pourquoi ne pas zigouiller les autres et puis on avance? Et c'est la réponse de David Gakunzi qui me dit non, Sankara a su que c'est précisément dans l'élimination de ses proches
que Sékou Touré a muté. Diallo Télé, c'était un diplomate de talent, peut-être l'un des meilleurs diplomates africains de son époque, qui a beaucoup travaillé pour l'avènement de l'OUA. Et Diallo Télé était le partenaire politique de Sékou Touré. Quand Diallo Télé partait en Guinée, Oufouet Boigny a fait intercepter son avion, l'a fait atterrir à Abidjan pour lui dire « Sékou Touré va te tuer. Il ne faut pas partir. Reste en Côte d'Ivoire. » Il a dit « Non, non, non. Si Sékou veut me tuer, il va me tuer et puis il n'y aura rien. » Ça vous rappelle quelqu'un, non? Oui. Il est parti. Et malheureusement, Sékou a eu cet acte. Donc Sankara, le lion Boukari Kabore, dont vous connaissez, je ne vais pas répéter ça très fort parce que c'est même un lion. Il faut prendre, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte quand les gens parlent. Mais enfin, il a dit quelque chose qui me paraît être juste. Il a dit que Sankara lui a dit que ce n'est pas à lui de trahir l'amitié. Ce n'est pas à lui de trahir la fronte. Donc c'est les valeurs morales, les valeurs éthiques transcendantales. Parce que vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas corrompu, mais bon, comme c'est ma tante qui me donne, je prends ». Vous savez ce que je veux dire? Si vous commencez à faire la demi-mesure, vous êtes déjà dans la tergiversation avec vos valeurs. Il faut rester entier. C'était cela. Donc ça montre que il a refusé de changer, d'être le monstre. Il est resté l'ange. C'est pour cela qu'on parle de lui aujourd'hui. Le fait qu'il s'est ensemencé pour le pays fait qu'il est éternel. Il est éternel. Donc, je ne sais pas pourquoi... Bon, je suis guéri de cette fâcherie que j'avais contre lui. Hein, mais je ne, moi, ça, à partir de moi, j'ai compris cela. J'étais devenu enthousiaste à l'idée que vraiment, c'est une très bonne chose qu'on l'ait. Et comme nous pouvons tous, il a dit, assassiner Sankara et des milliers de Sankara naîtront, en fait, les milliers de Sankara sont nés. Ils ont juste deux, trois petits problèmes. Ils ne savent pas qu'ils existent comme minorités historiques. Et ils veulent tergiverser en faisant Sankara partout, Sankara nulle part. Si vous arrêtez ça, on est tous des Sankara, ils peuvent le faire venir. Donc, c'est ce que je peux dire. Il y a sans doute beaucoup de choses. Sankara a beaucoup lu, énormément lu. La révolution malgache l'a fasciné quand il était là-bas. Il y a Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'était un agroécologiste français, un gars que j'ai également rencontré en Auvergne. Pierre Rabhi a beaucoup influencé Sankara, comme beaucoup d'autres. Ouais, c'était un gars tellement ouvert qui demandait à rencontrer tout le monde, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que ces grands hommes ont aussi reconnu la grandeur des autres. Et c'est ça même qui montre qu'ils étaient aussi de grands hommes. Alors, Karim voulait savoir aussi qu'est-ce qui empêche que les mêmes actions se fassent alors oui. qu'on parle tout le temps de Sankara. Voilà. Alors, Karim, il faut bien comprendre que les gens qui ont connu personnellement Sankara n'ont aucune légitimité de plus que toi. Moi, j'ai connu ça quand je commençais à m'intéresser à Sankara. Je voyais des gens qui me disent « À quel titre tu parles ?» Moi, j'ai connu le président Sankara tout de même. Oh, attendez là. Il me montrait un livre que Sankara lui a dédicacé. Non, Sankara, c'est notre patrimoine. C'est même un patrimoine mondial. Donc, il n'y a personne qui, parce qu'il a connu Sankara, est plus légitime à reproduire ses actions que nous. Du reste, le fait que nous ne l'ayons pas connu physiquement est une grande chance. Ça fait qu'on n'a aucune subjectivité avec. On peut avoir vraiment une relation complètement décomplexée avec. Imaginez que vous étiez étudiant, vous êtes allé voir Sankara, on dit qu'il est très occupé, vous dites, je n'ai pas le temps. Et puis vous dites, moi je le déteste. Vous voyez ce que je dis? Imaginez qu'on vous a arrêté parce que vous avez détourné 2000, on vous a mis en prison, et puis aujourd'hui vous voyez que les gens détournent beaucoup d'argent, on ne les met pas en prison. Vous allez avoir un rapport personnel avec lui qui peut souiller cette relation, cet héritage à s'approprier. Donc c'est vraiment, moi je n'ai aucun complexe à dire que je me reconnais en ces hommes-là. J'ai eu un prix en 2012 à la BCAO et quand on m'a donné le prix, je l'ai dédié à mon père spirituel, Joseph Kizerbo. Il y avait Charles Kizerbo qui est le fils de Kizerbo. Je lui ai dit, je ne te sens pas plus père, plus fils de Kizerbo que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un lien physique, c'est dans la question de la filiation de pensée. Donc, ce qui empêche que Sankara soit appliqué aujourd'hui, c'est le Sankara partout, Sankara nulle part. Et le Sankara partout, Sankara nulle part, c'est précisément ce comportement d'idolâtrie qu'on a et qui ne correspond absolument pas à l'application de ce qu'a été Sankara. C'est cela. Si vous demandez aujourd'hui qu'on vous augmente le salaire et que vous ne demandez pas qu'on construise des logements collectifs, qu'on construise des transports collectifs, vous faites du Sankara partout, Sankara nulle part. Si vous demandez à un conférencier de vous dire tout et que vous ne lisez pas, vous faites du Sankara partout, Sankara nulle part. Le mec, il lisait, hein, c'est incroyable. Hein. Écoutez, il avait quand même 33 ans quand il est arrivé au pouvoir. Quoi. Vous imaginez, regardez son niveau d'érudition. C'était un militaire. Très occupé, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour expliquer que c'était très important. Juste une anecdote, Sankara,
Je ne connais pas les détails, mais Sankara a été très important pour que le président Lamizana ne soit pas humilié. Il a tenu vraiment à faire cela. Donc, c'est pour montrer aussi qu'il y avait cette filiation, cette reconnaissance avec ces hommes-là. Alors, Bonkungu me demande l'historique de Norbert Zongo, son rapport avec Sankara. Bon, je ne connais pas, je suis pas vraiment expert de ça, hein, mais j'engage les jeunes historiens à faire des travaux là-dessus. Il faut mettre la pression sur Noufou Zougmoré pour qu'il fasse des livres. Noufou est trop brillant pour qu'on ne profite pas de lui plus que ça. Mais Noufou, son histoire, c'est une vraie perle, hein, Noufou. Si vous racontez Noufou Zougmoré, allez sur sa page Facebook. Il publie très peu. Quand il publie, c'est le moment où je demande qu'on copie pour que je lise. C'est vraiment un gars bien. Noufou peut dire beaucoup de choses parce qu'il a connu Norbert lui-même, parce qu'il est fasciné d'histoire. Il a connu Kizerbo, il a lu beaucoup Charanta Diop. Et Noufou Zougmoré, la conférence dont j'ai parlé à Ouidala, Noufou n'était pas là, mais après il est venu avec son ami et mon grand frère Osiris Saladogo, Youssouf Osiris Saladogo, qui est malheureusement décédé. Alors, le rapport entre Sankara et le rapport que Norbert avec Sankara, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire, mais mon frère, il y a tout à fait raison. Je reviendrai là-dessus quand il parle de communauté, des choses communes qu'il y a avec eux. Il faut que nous apprenions à témoigner et à écrire. Ce n'est pas de la grosse tête, mais il est extrêmement important que ceux qui ont connu ça puissent documenter cela, parce que la jeunesse a soif de ça. Et ne croyons pas que c'est parce qu'on est jeune qu'on n'a pas aussi des choses à témoigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai rencontré Norbert Zongo à plusieurs reprises. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, il n'était pas bien. C'était à quelques semaines avant son assassinat. Il m'a dit, sur le projet sur lequel il m'a dit de faire cool down, de ne pas me précipiter, que ça peut prendre 10 ans, ça va se faire. Bon, je n'ai pas le temps de revenir dans les détails. Mais c'est pour expliquer que nous avons des témoignages à faire. Donc, j'ai vu un homme très courageux. On a fait des choses très horribles quand on était à l'université. Oh, j'avais un ami qui habitait chez Norbert Zongo, à Wemtenga, c'est Wemtenga, c'est Dasasgo, là. Et puis, on allait souvent se voir là-bas pour refaire le monde. Donc, quand on refaisait, du reste, ça me permet de revenir en arrière sur la question de refaire le monde. Tu as dit que j'ai la possibilité de refaire l'histoire. Non, refaire l'histoire, c'est négatif. Quand on dit que tu refais l'histoire, ça veut dire que tu mens dans l'histoire. Donc, c'est avoir la mémoire historique. C'est juste parce que tu es mon petit frère et c'est que tu es très brillant. Je profite de dire ça, mon frère. Donc, pour revenir à cette question, on allait là-bas et puis on savait que Norbert habitait là. Nous étions horribles, hein. On était en première année. Et puis, un soir, Norbert avait une P50 jaune. Comme ce que moi aussi j'avais avec mon cousin qu'on partageait. Et puis avec mon frère David, on s'est remorqué. Et puis, des fois, quand on le voyait qui prenait le cushion pour entrer dans son suivi, on dit « C'est vous, monsieur Zongo ?» Il disait « Oui !» On essayait de lui faire peur dans le noir, quoi. Pour voir s'il avait plus peur que ce qu'il disait, quoi. Il disait « Oui, c'est moi !» Et puis, on ne savait pas que c'était. J'ai honte de ça aujourd'hui, hein, mais c'était pour montrer que nous, on a vu un homme courageux. On a vu un homme simple. On a vu un homme brillant, humble, pédagogue. Les trois aussi ont cette qualité. C'était des grands pédagogues, à leur, chacun à sa façon, mais il y avait ça également. Voilà. Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le livre de Jean-Baptiste, le livre de tel. Ils ont dit ça sur Sankara. Mais vous êtes qui pour qu'on ne dise pas quelque chose de votre père? Vous êtes qui? Vous aussi, vous dites. Vous êtes en train de dire ici que l'indépendance était la dépendance. Vous êtes en train de parler des autres aussi, non? Non. La formation scientifique qui fabrique l'homme dans son intellect, qui lui apprend à réfléchir, doit nous incliner à entendre autre chose que ce que nous voulons entendre. À entendre des choses contraires à notre opinion. C'est comme ça qu'on se conforte. Et c'est pour cela que je n'aime pas la manière dont Charanta Diop est récupéré. Charanta Diop, c'était un historien majeur pour l'Afrique, peut-être l'historien le plus important en Afrique avec Kizerbo à côté. Charanta Diop, c'était d'abord l'exercice de la raison. Diop parle de falsification de l'histoire, pas de façon vindicative, de façon militante, pour employer un mot que je connais cette fois-ci, mais il le fait en le démontrant. Et il dit, si demain, vous mes enfants, vous mes petits frères, vous découvrez que j'avais tort, écrivez pour dire que j'avais tort. Donc c'est ça que je veux dire. Donc n'ayez vraiment pas peur qu'on dise quelque chose si ces grands messieurs. Écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur Sankara depuis son assassinat? Le monument est là. Je ne parle pas de nouveau là. Non, le vrai monument est là. Il est reconnaissable, il n'est pas. On n'a pas besoin de monter à hauteur pour le connaître. On le connaît, on le reconnaît. Il n'y a aucun problème. On le dit dans la Bible quelque part, laissez les morts enterrer les morts. Donc, les débats d'arrière-garde là, laissez ça. Maintenant, il y a des gens qui disent des choses vraies
il faut les écouter également et entendre pour savoir que ce que nous avons comme repère, ce ne sont pas des idoles qu'on nous demande de construire, ce ne sont pas des saints, c'était des humains. Imaginez qu'on vous dise que personne ne peut arriver pour dire que Sankara avait un défaut. Personne. Et que les historiens viennent dire, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Moi, il ne me servira plus. Parce que je dis, ah, c'est Jésus-Christ en personne qui est revenu, il s'appelait Sankara. Moi, je n'ai pas de prétention d'être Jésus-Christ, vous êtes d'accord avec moi? Donc, la valeur pédagogique, l'effet d'entraînement diminue parce que ce n'était pas un humain. Donc, il faut vraiment reconnaître ça. Mais, quand il y a de tels témoignages, si vous avez un contre-témoignage, faites-le. Vous avez le devoir historique de le faire. Faites-le. Si quelqu'un vient dire qu'il rassemble un gourou marché, dites-lui, hey, c'est pas vrai. Vous avez compris? Donc, faites-le. Vous avez le devoir d'exercer ça. Ne le faites pas en enjolivant la vérité, non. Ne le faites pas en disant c'était tout beau, non. Faites-le à partir de l'information juste que vous avez construite et ouvrez-vous à entendre des choses nouvelles qui vont vous épater ou peut-être qui peuvent vous décevoir sur le coup, mais qui ne montreraient que l'humanité de ces personnes-là. Oui. Et pourquoi ces personnes n'ont pas pu travailler ensemble, c'est ce que j'ai indiqué. Voilà. Oui. Et le duo Kizerbo, Thomas Sankara, bon, c'était un commentaire. Voilà, oui. Mais comment il est revenu sur la question, comment ces deux ont pu transcender aussi les théories et comment ils n'ont pas pu travailler ensemble? Oui, Kizerbo Sankara. Alors, oui. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu travailler ensemble. Vous avez le témoignage de Odile qui montre cela. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est que les années 80. Hein. Un jeune homme de 33 ans face à un vieux qui est au fait de sa science, un militaire face à un civil. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, on ne sait pas, je ne sais pas historiquement, mais il faudrait qu'on établisse qu'ils se connaissaient d'abord. Parce que c'est extrêmement important. Moi, je sais qu'il y a des gens... J'ai un ami avec lequel on a fait le collège, on a fait le lycée, et puis on s'est retrouvés à Cotonou. Et quand on s'est retrouvés à Cotonou, on est devenus très bons amis. On est vraiment encore de très, très bons amis. Il nous aide à organiser l'Université de la Jeunesse à Bobo. C'est un informaticien de très bonne qualité. Et quand on s'est connus à Cotonou, on se connaissait. Ici, on a fait l'université ensemble et tout. On allait voir des concerts ensemble et tout. Et puis, après qu'on a fait un, deux mois, on se connaissait, il m'a dit, mais vraiment, toi, je dois te dire quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais je ne sais pas que tu étais simple comme ça. Moi, je pensais que tu étais quelqu'un de très compliqué depuis le collège. Ta manière de parler même m'énervait. Donc, on ne se connaissait pas. Ce qui fait qu'il ne savait pas qu'on aurait pu être... Nous sommes de très grands partenaires aujourd'hui. On a partagé nos bureaux. On fait de grands... Je suis très content de le rencontrer encore la semaine prochaine à Bobo. Donc, on ne sait même pas s'il se connaissait. Donc, il y a tout cela. Les historiens doivent établir ça. Et du reste, pour finir avec l'ami, la Mamadou Sanou. Mamadou Sanou m'a dit quelque chose, fait un témoignage sur Sankara Cotonou qui m'a vraiment bouleversé. Nous, on célébrait Sankara chaque fois à Cotonou, à chaque 15 octobre. Et on avait une effigie on avait une photo de Sankara, une photo, il est comme ça, il en a pris vraiment en grand. Et je pense que c'est une photo de Jeune Afrique ou de quoi là, de quel organe. Et puis, on a diffusé. Il a pris la photo chez moi, que moi j'avais dans ma chambre, il l'a amené chez lui, dans son petit réduit d'étudiants là. Et on avait la galère. Il y avait des moments où c'était extrêmement difficile, y compris manger, s'alimenter. Y compris avoir juste un repas par jour. Il y a des moments où c'était très difficile quand moi j'étudiais avec lui. Et on a commencé à se dire, qu'est-ce qui nous fait résister? On a commencé à se filer des astuces. Et on a un ami camerounais, Théo, lui disait qu'il nettoie bien le sol le plancher de chez lui. Et il se colle, le plancher est bien frais, il colle son ventre au-dessus, la fraîcheur du ventre, de la chaleur fait qu'il ne sente pas la faim. Mais je vous jure, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et lui, il m'a dit que lui, il ne sait pas comment on gère ça, mais lui, quand lui, il avait des travaux à faire, en tant qu'étudiant, qu'il paraissait, quand lui relevait le visage, il voyait, et rencontrait le visage de Sankara, il se réveillait tout de suite. Il ne pouvait pas dormir sans faire son travail s'il ne voyait pas Sankara. C'était son argument pour me dire qu'il faut que la photo la reste chez lui. J'ai dit, moi, ça a le même effet aussi sur moi. Donc, c'est pour expliquer que la question de se connaître est très importante. Et c'est aussi la question des minorités historiques. Apprenons à nous connaître. Apprenons à nous connaître au-delà de l'invective. On va dire, bon, tel est comme ci, tel est comme ça. Et puis, on tire tout de suite le trait là-dessus. Ça nous est tous arrivé hein, de découvrir des gens de façon plus heureuse que ce qu'on attendait de ces personnes-là. C'est aussi la praxis, c'est-à-dire approcher les gens et les connaître. Bonini, je suis content d'entendre ton nom. J'ai eu des Bonini parce que j'ai vécu aussi en pays Boaba. Pays Bois à Koumbia, j'ai fait ma classe de CE1 et une partie de CE2 à Koumbia. J'ai vu les rites
qui, quand je lis Crépuscule des temps anciens, j'ai toujours le sentiment que ça convient, que ça se passe. Parce que j'ai vu l'intronisation d'un chef là-bas, c'était pas exactement, je sais pas ce que c'était, hein. C'était absolument fascinant, même en termes d'art plastique, c'était absolument fascinant ce que j'ai vu là-bas. Tu me permets de dire que, comme je l'ai écrit dans un papier, Sankara était le dénominateur commun de toutes les populations qui sont sorties contre l'insurrection et pour faire l'insurrection. C'est-à-dire que on a surpris des gens qui disent qu'ils sont des libéraux, lever le poing pour dire la patrouille, la mort, on vaincra. On a surpris des gens qui disaient que Sankara était un pseudo-révolutionnaire, dire la patrouille, la mort, on vaincra et mettre Thomas Sankara. Mais vous avez vu combien tous ces jeunes se réclamaient de Sankara. En fait, c'est la revanche de Sankara. L'insurrection, c'est pas un joli mot, la revanche, mais c'est l'avènement des enfants de Sankara. Parce que vous pouvez le montrer au plan démographique. Quand le président Compaoré engage l'agenda de l'article 37, je ne sais pas s'il savait que sous son règne jusqu'en 2014, la population avait plus que doublé. Quand, en 87, Sankara est assassiné, on était 7, maximum 8 millions d'habitants. Quand il engageait l'article 37, on était plus de 14, 16, près de 16 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Que plus de la moitié de la population est née après l'assassinat de Sankara. C'est les enfants de Sankara. C'est les enfants de Sankara qui l'ont fait tomber. Vous enlevez les moins de 30 ans dans la rue, ils ne tombent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour montrer aussi que l'insurrection, Sankara y a participé et Sankara continue de nous nourrir. Maintenant, l'insurrection a des résultats qui sont aussi Sankara. En partie. Il y a eu de très bonnes choses pendant la transition. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que les idées étaient bien ou quoi que ce soit. Non, c'est nous qui avons fait. Nous, il faut qu'on reconnaisse ça. On a eu un excellent code minier. On est en train de se battre maintenant pour le mettre en œuvre. C'est nous qui avons fait ça. Moi, j'étais dedans. Il y avait Gabriel Kambou qui était dedans. Il y avait mon grand frère Jonas Fienne. Il y avait mon petit frère Anselme Somda du CGD. Il y avait Elie Kabouré. Je peux les citer. Il y avait Stanislas Meda, le jeune géologue. Il y avait des gens comme ça. C'était des jeunes qui ont fait ça. Si on allait au Parlement, on a essayé d'influencer le Parlement. On a écrit ça ensemble, on a fait des études. Il y avait Mamadi Ouedraogo, mon collègue assistant à l'époque, qui est devenu un grand économiste, qui travaille aujourd'hui sur l'économie minière. Il va faire sa thèse qu'il va soutenir l'année prochaine, précisément parce qu'on a travaillé là-dessus. Donc c'est ça que nous avons fait. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a aussi ces figures-là qui nous ont alimentés. On a eu une bonne chose sur la transition, ça a été la loi anticorruption. La loi anticorruption, ce n'est pas le gouvernement de la transition qui l'a fait parce qu'il voulait le faire. Non, c'est la société civile, c'est le réseau de lutte anticorruption qui l'a fait. Le RENLAC a fait une loi pour travailler sur les lois depuis longtemps et cette loi, l'opportunité a permis de faire avancer. Je veux dire ça pour nous dire qu'il faut qu'on sache aussi compter nos points. Il faut qu'on arrête de voir juste la partie somme du tableau. Il faut qu'on sache compter nos points aussi pour pouvoir avancer. Parce que si on ne compte pas nos points, qu'on croit que c'est la même chose, tout le travail que les gens ont fait sur le code minier, on va penser que c'est zéro. Or, je vous dis que le code minier est révolutionnaire. Le fonds de développement local n'existe nulle part en Afrique. Et quand on a commencé maintenant à distribuer, ils ont commencé à distribuer les ressources et on se bat, on va se battre davantage pour que les ressources soient plus importantes et qu'elles soient bien gérées. Vous allez voir, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Vous allez voir que des pays vont copier ça. J'espère qu'ils vont copier. Je me souviens que la société civile malienne était venue nous voir pour nous dire de venir les aider à Free Afrique pour qu'ils fassent la même chose que ce qu'on a fait à Ouaga. J'ai dit, faites d'abord une insurrection. On espère qu'ils vont la réussir et que ça va être mieux que pour nous. Et puis on va aller les aider à faire ça. Mais il voulait savoir, pardon, M. Boignini voulait savoir aussi quel contenu est donné vraiment à ces trois universités qui portent les noms des trois repères, des trois grands repères. Moi, que les valeurs sont incarnées. Tout à fait. Moi, je n'ai pas eu de réaction heureuse quand on a mis l'université Thomas Sankara. En particulier, c'est maintenant qu'on l'a fait avant les élections. Donc, ça sent quelque chose. Bon, mais prenons ça positivement, comme je l'ai dit la dernière fois, travaillons à faire de l'université Joseph Kizerbo, vraiment l'université de Joseph Kizerbo, l'université Sankara, Norbert Zongo. Maintenant, je suis très critique sur l'université, très très critique. Et je ne peux pas dire tout ici parce qu'on n'est pas en famille. La famille, c'est l'université, donc on doit se boxer à l'université. Bon, et malheureusement, comme les collègues ne sont pas là, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une conception murale. Mural de l'université, infrastructurel de l'université, équipement de l'université, avec laquelle je suis en totale opposition. L'université n'est pas dans un mur. L'université est dans des hommes, ce sont des universitaires, et dans des étudiants, ce sont des futurs universitaires. C'est ça qui nous manque. De sorte que l'universitaire pense que quand il sort du mur,
son travail est fini. Et il repart dans la société, il fait comme tous les autres, tous les autres. Et il revient à l'université, il se rappelle qu'il y a les grands hommes de l'histoire, ainsi de suite, l'histoire de la pensée économique, John Maynard Keynes, blablabla. Quand il finit, il dit, le cours est terminé, j'ai arrêté d'être économiste, je rentre à la maison, je regarde le film, je regarde le feuilleton, mon enfant regarde Batman, je m'en fous. C'est ça la difficulté. Je le dis très sincèrement. L'université n'existe que par les universitaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un universitaire ? Des hommes désintéressés et amoureux de la connaissance. La clochardisation a fait que souvent, il y a des gens qui sont à l'université, mais qui voudraient partir et qui n'ont pas pu avoir mieux et qui restent à l'université. Ça, c'est très dangereux. C'est comme mariage forcé. Donc, il faut arrêter le mariage forcé à l'université. L'université n'a pas d'ancrage historique. Et ça, c'est dangereux. On nous a fait croire que l'université est un truc qui a été créé par les Blancs qu'on amène chez nous. De sorte qu'on peut étudier à l'université de Joseph Kizerbo l'histoire, peut-être, sans connaître Cheikh Ahmed Baba, qui était un grand érudit, un grand universitaire à Tombouctou. C'était un des nôtres. Sans connaître les frères Bakayoko, qui étaient des grands juristes consuls à Tombouctou. De sorte qu'on n'enseigne pas que notre histoire universitaire est aussi vieille que celle des autres. Donc, ce n'est pas le mur qui fait l'université. De sorte que, quand les autres ont fait LMD, nous aussi, à la con, on va faire LMD. Pourquoi ? Je ne dis pas que l'LMD est bon ou mauvais. Mais si on l'a fait parce que la France a fait comme on l'a justifié, on a un problème, quoi. Donc, il y a une vraie discussion, une vraie bagarre à faire à l'université. Et il faut qu'on la fasse. Mais elle ne va pas se faire à l'intérieur de l'université, elle va se faire dans la société. Et vous devez prendre part à cette bagarre. Vous devez indiquer quel type d'université vous souhaitez avoir. Parce que c'est vous qui nous payez. On doit faire en sorte que nous soyons là-bas pour apprendre à apprendre. Nous soyons là-bas pour construire les Burkinabés de demain. En principe, l'université ne prend d'ordre de personne. C'est ma conception de l'université. Et l'universitaire ne doit pas être celui qui cherche à savoir, comme je l'ai dit à mes étudiants, à ma fille, en master finance internationale, macroéconomie et finance internationale, quand je les initie à la recherche, je leur dis, votre question de recherche ne doit pas être de savoir quelle est l'épaisseur de la couche de neige à Dori à 13h en avril. Vous mesurez la couche de neige qu'il y a à Dori à 13h en avril. Il y a des questions universelles qui sont comme ça. À part la personne qui a parlé de ça, personne ne comprend. Même pas ses camarades. Voilà, il faut que l'université s'empoigne des questions concrètes de la société. L'universitaire doit être dans la société. Qu'est-ce que la société me pose comme question ? Je dois répondre aux questions de la société. Je suis économiste, mais l'économie, ce n'est pas Wall Street chez nous. Je suis désolé. L'économiste a connu des génies, ça s'appelle Baro Dianginaba, ça s'appelle Kanaji Oumaru, il faut qu'on connaisse leur histoire pour enseigner. Je suis historien, il faut qu'on écrive l'histoire de Norbert Zongo, l'histoire de Sankara, la relation de Sankara et Norbert Zongo, la relation de Sankara et Kizerbo, ainsi de suite. Je suis linguiste, il faut qu'on travaille nos langues. Je suis linguiste, il faut qu'on travaille, y compris comment on parle mal le français pour le redresser. Il faut qu'on fasse tout. C'est ça la question concrète qui nous est demandée aujourd'hui. Donc je peux m'étaler là-dessus durablement, mais ce que je veux dire, c'est que l'université africaine reste à inventer. C'est un très beau challenge. Moi, je crois que l'université doit faire une place essentielle à la parole, apprendre à parler. Nous sommes des civilisations de parole. Et ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas dit qu'on n'a pas écrit, on a écrit. La parole, comme les Bamana disent, comment manier, c'est-à-dire que la parole est subtile, elle est dangereuse. Et quand tu ne sais pas la faire, tu fous des trucs en l'air. Quand tu sais la faire, tu répares tout avec la parole. Vous connaissez Socrate, Aristote et tout. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Comment ils ont écrit ? Ils ont parlé, ils n'ont pas écrit. Vous saviez ça ? C'est d'autres qui ont repris ce qu'ils ont écrit. Ils ont parlé. Vous comprenez ce que je dis ? Donc l'université doit faire toutes ces choses-là et faire en sorte donc que l'université Norbert Zongo ressemble aux vertus que Norbert a portées. L'université Thomas Sankara ressemble à ses vertus. Je ne vais pas être plus long sur l'université. Mais pour moi, on fait Free Afrique parce qu'il n'y a pas cette université. On a pris la décision de faire... Je vais revenir un jour sur l'histoire de Free Afrique, mais l'histoire de Free Afrique, c'est l'histoire de jeunes
panafricains qui sont rencontrés à Cotonou en licence, mes amis Théonore et Noné Ebo, et Mito Yobo Kodjo Ferdinand, et Ebo qui vient du Cameroun, Mito Yobo qui vient du Togo et du Bénin. Je peux citer plein de noms comme ça. On s'est rendu compte qu'on voulait être chercheurs, pour la plupart d'entre nous, et on ne voulait pas l'être au FMI, à la Banque mondiale ou à la BCA ou ailleurs, on voulait l'être de manière libre. Donc nous étions des universitaires dans l'âme. Et pour réaliser cela, on s'est rendu compte qu'en fait, l'université n'existant pas, il faut créer quelque chose. C'est pour ça qu'on a créé Free-Afrique. Et que je considère que je suis à l'université quand je suis dans mon bureau. Parce que je rencontre des jeunes comme Sansara qui est venu me voir et travaille sur comment est-ce qu'on peut renforcer l'efficacité des hôpitaux, l'efficacité du financement des hôpitaux. On a travaillé ensemble, mais je ne le connaissais pas ainsi. C'est ça que je pense être mon travail. À l'université de la Genève, je considère que je suis à l'université. On va dire non, le CAMES n'a pas reconnu. C'est très bien. On va dire, mais non, vous savez, ce n'est pas à l'université de Ouagadougou, c'est très bien, mais ils vont changer le monde, c'est ça qui m'intéresse. Comment on protège nos minorités historiques? Le cas de Norbert, ça c'est un traumatisme pour moi. Norbert a lancé un appel au secours. Sankara, je n'étais pas là. Norbert a lancé un appel au secours. Nous, on était des jeunes étudiants. Mais la vérité, c'est que personne n'allait à son secours. Norbert a écrit il y a deux semaines, avant son assassinat. Vous avez entendu, non? Vous avez vu ça, non? Il a écrit, moi, quand je suis allé le voir, cinq semaines avant son assassinat, il m'a dit, c'était sur une affaire, je ne vais pas revenir là-dessus, il m'a dit, écoute, l'affaire David Drago me crée des problèmes. Dans cette affaire David Drago, j'ai compris que la spirale est devenue intenable. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à toi, ton problème, c'est qu'il faut porter la charge dans la durée. Il ne faut pas te laisser écraser par le problème aujourd'hui. Il faut répartir ça dans la durée. Je ne sais pas, il y a des gens, quand Norbert a été assassiné, ils ont dit on ne va pas se mobiliser. Je vous jure, je n'ai pas dit leur nom. Ils ont dit on ne va pas se mobiliser. Parce que ce n'était pas notre camarade politique. J'ai entendu ça. Aujourd'hui, ils disent Norbert Zongo partout. Je les vois aussi. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important que de savoir que quand les nôtres sont utiles à leur pays, c'est de notre responsabilité de les protéger. Je vous ai parlé de Cuba, de Castro. Il faut les protéger. Parce que les taux de mortalité très élevés de nos leaders expliquent aussi, quand je dis très élevés, très bas, l'espérance de vie très bas, oui, les taux de mortalité très élevés de nos leaders, qui meurent à trentenaire, quarantenaire, expliquent aussi notre condition actuelle. C'est que nous ne consolidons pas, nous ne cristallisons pas, nous ne capitalisons pas. Maintenant, il faut faire très attention à protéger les minorités historiques. Il ne faut pas les monter sur le piédestal et en faire des messies. Comme ils ont fait de Gbagbo. Il s'est passé quelque chose qui m'a fasciné sous le pouvoir de Gbagbo. Les Français voulaient vraiment dégommer Laurent Gbagbo. Des Villepin et Chirac voulaient en finir avec Laurent Gbagbo. Ils ont mis 10 ans pour pouvoir le faire. Vous savez pourquoi? C'est la rue ivoirienne qui a protégé Gbagbo. Ça ne veut pas dire que Gbagbo était un grand homme. Je ne le crois pas. Je crois que Gbagbo a fait des choses horribles. Mon opposition à Gbagbo date de 1999. Il est venu à l'université ici. C'est là-bas qu'on s'est clashé, lui et moi. Donc, ce n'est pas sur le tard. Donc, mais le fait qu'un homme d'État africain arrive au pouvoir de façon calamiteuse, comme lui-même l'a dit, mais arrive à résister à l'impérialisme français qui voulait le dégommer, qui a fini par le dégommer, mais à quel prix, montre qu'il y a une capacité de protection. Mais cette capacité de protection a été faite par des turiféraires, des laudateurs, c'est-à-dire des talibés. Tu touches à notre maître, on te tue tout de suite. Tu dis que Gbagbo aurait pu, oh, on va t'éliminer tout de suite. Voilà, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Protéger les minorités historiques, ce n'est pas en faire les mettre sur le piédestal et puis dire non, on ne doit pas les toucher, on ne doit rien dire, qu'ils soient un écart. Ça devient le culte de la personnalité. C'est ça qui a eu Sékou Touré, c'est ça qui a eu beaucoup de grands hommes dans le monde. Mais nous devons être en capacité de montrer cette solidarité aux nôtres. Et moi, quand on a bombardé le palais de Gbagbo, moi j'ai profondément pleuré, j'étais à Montpellier, j'ai profondément pleuré. J'étais profondément choqué par le symbole. Et j'étais choqué qu'il n'y ait pas eu une vive contestation africaine contre ça. Je sais que c'est parce que Gbagbo a été ce qu'il a été. Mais même ça, le symbole était trop fort
pour qu'on laisse passer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Faisons en sorte que la solidarité que nous devons manifester vers les nôtres soit une solidarité qui ne les abîme pas. Moi, je vois ça, mes amis, là, les jeunes leaders, là, dès que je débarque le matin avec mon sac qui est toujours lourd parce qu'il y a des livres dedans, il y a trois personnes qui se bagarrent pour prendre mon sac. Je peux donner à la première et puis dire à la deuxième, OK, tu vas me chercher de l'eau, s'il te plaît? Bien. Et puis, bon, tu vas préparer le fauteuil pour moi, n'est-ce pas? À partir d'un moment donné, je ne suis plus dans la condition de quelqu'un qui vit l'humanité. Donc, c'est extrêmement important de ne pas idolâtrer les gens, de les mettre dans une situation où on peut les contester de façon confortable, de façon fraternelle, les permettre de s'améliorer. Mais il faut qu'il y ait des lignes interdites pour dire, si vous touchez, voilà, là, il y a des lignes interdites, de sorte que ce soit comme ça. Parce qu'il faut que les autres se retiennent pour dire. S'il y avait une réaction africaine partout au bombardement de la présidence ivoirienne, les gars allaient dire, ah, l'affaire là, c'est pas une simple affaire. Hein. Vous avez compris. Donc, c'est pour expliquer que c'est ça qui va faire cela. Mais je reviens pour donner un autre exemple. Gandhi. Quand Gandhi quitte l'Afrique du Sud pour aller en Inde et qu'il doit se battre pour l'Inde, la première chose qu'il veut faire, il veut créer son cabinet. Et il veut aussi créer un journal. Et puis, il va voir les opérateurs, il y a des opérateurs économiques de l'Inde qui viennent le voir, qui le reçoivent. Il dit, oui, je vais créer un cabinet pour faire, je vais vous défendre dans les affaires, et puis, parce que j'ai besoin de vivre aussi. Et puis, il dit aussi, je vais créer un journal. Et puis, les gars lui ont dit, pourquoi tu veux faire un cabinet? Il dit, non, mais c'est mon métier. Il dit, mais non, toi, tu n'as pas un métier. Toi, ton métier, c'est de nous aider dans l'indépendance. Tu veux combien? On te donne l'argent, tu fais. Donc, ils ont financé Gandhi. Mais quand ils ont financé Gandhi, vous avez vu la fin de Gandhi. Gandhi était un homme austère. Austère. Qui vivait de frugalité, qui ne mangeait pas trop, qui n'était pas dans le luxe, qui tissait lui-même. Qui était très austère. C'est pour dire que si Gandhi avait pris les financements pour construire des R plus combien, comme c'est dans le rêve de tout le monde maintenant ici, et c'est très grave, il n'y aurait rien eu. Vous comprenez? Et c'est pour aussi indiquer que il faut que nous acceptions d'acheter les dynamiques qui nous sont favorables. Si vous voyez quelqu'un qui fait une très belle production, de la bonne musique, il faut l'acheter pour qu'elle continue de faire la bonne musique pour vous. Sinon, il va chanter pour les blancs et puis vous allez lui faire comme pour les blancs. Mais vous n'avez pas acheté quand elle a chanté pour vous. De la même manière, si vous voyez des gens qui font des choses bien pour le pays et qui, il faut les renforcer, y compris au plan de l'économie, pas en leur donnant l'argent pour dire, ah, prends l'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais en créant les conditions confortables à l'économie de la culture, à l'économie de ces messieurs. Moi, par exemple, je suis favorable à ce qu'on dise que les médias ne payent pas d'impôts. Je suis favorable à ça pendant 10 ans. Aucun média ne paye un impôt. Je n'ai pas dit la publicité, j'ai dit les médias. Mais tout de suite, on doit dire, on applique la convention collective des médias, c'est-à-dire que les salaires des journalistes vont vraiment être élevés. On applique tout de suite les conditions de travail des journalistes, tout de suite, tout de suite. Et on dit, n'importe qui n'est pas créé un média, il faut des normes pour créer un média. On va créer des conditions socio-économiques favorables à l'émergence de bons journalistes. Donc c'est comme ça que la société achètera ces bons journalistes, dans le bon sens, hein, payera pour ces bons journalistes. Et Kambiré qui me dit, ça ne sert à rien de s'ouvrir sur les valeurs aujourd'hui. Oui, c'est la question de l'exemplarité. On a un gros problème aujourd'hui qui est que la jeunesse voit des gens qui brillent, mais qui n'ont pas de valeurs éthiques. Donc, comment vous voulez leur dire, il est extrêmement bon d'avoir des valeurs éthiques, de travailler ainsi de suite, ainsi de suite. Ça pose un problème. J'ai un ami qui m'a dit que si je n'arrête pas d'avoir la petite voiture que j'ai, la personne va faire comme moi. Toi, tu dis que tu es économiste, et puis tu as une petite voiture comme ça, et puis les jeunes la voient ça. Tu crois qu'ils vont faire comme toi? Donc, de temps en temps, je vais emprunter la grosse voiture d'un ami, je vais venir avec ça à l'université, je vais faire le tour, je vais saluer tout le monde. Et puis, je vais aller remettre sa voiture et puis je prends ma petite voiture pour leur donner envie. Ça, c'est lié à la question de l'exemplarité. Maintenant, par rapport à Ili, l'avant-dernière question. Les jeunes pour Kambiré. OK. Pardon. Kambiré voudrait savoir comment déconstruire les mentalités chez les jeunes qui hésitent ou qui ont peur de s'engager sur les valeurs, suivre ses repères, en fait. En étant des minorités historiques. Voilà. En étant autre, en étant ce que vous voulez être. Mm. Et en étant ce que vous espérez. Et ça va le faire. Je vais vous raconter juste une petite histoire. À partir de maintenant, dès qu'il y a un choc au Burkina Faso, il y a beaucoup de trucs qui disent impact de la COVID, impact de ci, impact de ça. Vous savez, c'est parti d'où?
C'est de partir de Free Afrique. L'étude qu'on a faite, impact de l'insurrection là, ça a marqué les gens. De sorte que maintenant, quand il y a une crise, il y a des économistes qui se font pour faire impact de ci, impact de ça. Et j'ai des collègues qui me disent, mais franchement, ils ne sont pas honnêtes quand ils nous... J'ai dit, mais précisément, ils nous copient, ils nous rendent hommage. Donc, c'est ce que je crois. Si vous êtes des minorités historiques, vous commencez des choses auxquelles vous croyez, d'autres vont vous suivre et d'autres vont faire comme vous. Maintenant, les questions du professeur Illy, c'est cela, tant il y avait une autre avant. Est-ce que c'était des questions? Il a demandé d'abord quel trait d'union entre les Absolument. Trois repères et oui. il les a ressortis. Et il veut Donc en savoir d'autres. Il va, voilà, exactement. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le professeur Illy est mon grand ami, mon grand complice. Il est membre de l'Institut Free Afrique, il est dans le conseil d'administration. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai eu le bonheur d'aller déjeuner avec lui aujourd'hui. On a parlé de mille choses. On a parlé des réformes de l'administration, de quel droit pour le pays à midi. On a parlé de quelle justice pour le pays. On a beaucoup parlé de comment Sankara avait une conception de la justice. On a parlé de la justice britannique. Bon, bref, j'ai eu le bonheur d'avoir cette discussion avec lui. Ce que je pense, tu as tout à fait raison, l'intégrité, le patriotisme, le courage, oui, c'est vraiment des traits majeurs. Et j'ajouterai au courage la gaieté aussi. C'est dans l'identité que vous entendez ça. Le courage est gai. Quand on est courageux, on est heureux. Le courage, ce n'est pas de dire qu'on est, on est téméraire. Hein, pour dire qu'il y a le feu, vous dites, moi, je suis courageux, je vais brûler ma main. Non, ça, c'est l'inconscient. Ce n'est pas la même chose. C'est Mandela qui explique ça très bien. Le courage, c'est la capacité à construire une réaction psychologique d'abord, mais aussi physique et tout ce que vous souhaitez vis-à-vis d'une adversité que vous comprenez. Vous la connaissez, mais vous construisez une réponse à ça qui est d'abord psychologique, qui vous met donc en capacité à affronter cette adversité. Et quand on est courageux, même quand ça va mal, on a un fond de gaieté qu'il y a derrière. Mais c'est surtout deux valeurs que je voulais indiquer pour compléter ta liste, mais vraiment dans ton ordre. Hein, c'est qu'ils étaient très, très travailleurs. Ils étaient très, très travailleurs. Il y a des gens qui vous expliquent les techniques que Sankara utilisait pour ne pas dormir, pour travailler beaucoup, comment il faisait des pompes lui-même à un moment donné parce qu'il était fatigué et qu'il devait travailler ainsi de suite. Et récemment, il y a un de ses pilotes qui m'a indiqué comment quand il est rentré dans l'avion, il était complètement sonné. Et il allait à Dédougou et puis il s'est réveillé comme ça. Donc il avait une petite sieste, puis il s'est réveillé. Lui, il n'a pas reconnu du tout parce que lui, quand il le prenait, il s'est demandé mais comment il va aller faire son discours. Il est complètement fatigué là, comment il va aller faire. Donc c'était des gens très, très travailleurs. Kizerbo a écrit « Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain » en lisant 3000 volumes, en visitant plusieurs dizaines de pays. C'était des conditions difficiles dans les années 70, en allant dans des musées de France de 18 pays, en descendant dans les grottes pour aller regarder lui-même, prendre des notes. C'était extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'avait pas 20 ans à l'époque déjà. Hein. Donc c'était un grand travailleur. Et quand vous regardez ses œuvres du reste, regardez « Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain ». C'est une œuvre monumentale. Rien que ce volume, il a mis 11 ans pour écrire. Il a pris une disponibilité avec l'État sans solde pour aller écrire ça. Donc, ce n'est pas normal. La Haute-Volta aurait dû payer pour ça. Elle n'a pas payé pour ça, mais ce n'est pas grave. Le maître a pu le faire. Donc, ils étaient très, très travailleurs. Ils étaient très studieux. Norbert, c'est la même chose. Norbert était un énorme bosseur. Il ne faisait pas seulement le journalisme. Il avait son ranch qu'il gérait pour être indépendant économiquement. C'était tout cela. Et dernière qualité que je vais donner, ils étaient extrêmement cultivés. Extrêmement cultivés. Cher Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. C'est ça. Sankara était très armé, il était préparé. Il était prêt. Soyez prêts également. Et Norbert Zongo, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Norbert Zongo revenait. Ce n'est pas une histoire fausse, hein, je veux dire, il m'a raconté une anecdote qui est vraie. Norbert est allé avec eux en mission à Dakar. Et quand il est arrivé, il les a amenés dans la librairie. Et quand il a commencé à prendre les livres, il dit, je prends ça. Ils avaient des frais de mission, quoi. Ils voulaient prendre peut-être 10% des frais de mission pour acheter les livres. Norbert a pris des livres qui dépassaient les frais de mission. Ils se sont demandé, mais peut-être qu'il ne sait pas le prix, quoi. Ils se sont dit qu'à la caisse, il va renoncer. Il a payé tout. Il savait qu'il partait à Dakar. Les librairies là-bas sont plus étoffées qu'ici. Il avait pris de l'argent sur lui pour le faire. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient très cultivés. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient beaucoup. Parce qu'ils se mettaient à la quête de la connaissance. Et cela les a beaucoup changés. C'est extrêmement important. On a besoin d'être bien formé, d'être bien cultivé, d'avoir une conscience éthique et d'être travailleur. Si vous êtes bien cultivé, vous avez une bonne conscience, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas donner autant que ce que vous pouvez. Alors, Daniel, qu'est-ce qui manque? À chaque fois, on a des virages très tragiques qui se terminent avec des issues très tragiques. Qu'est-ce qui manque, en fait? Il nous manque une capacité à protéger nos minorités historiques. Mais je n'ai même pas envie de dire nos minorités historiques. Nos dynamiques historiques, disons-les comme ça.
Parce que l'enjeu, ce n'était pas seulement de préserver Sankara. L'enjeu, c'était surtout de préserver sa politique. De sorte que nous aurions été heureux de lui rendre hommage immédiatement le lendemain de son assassinat, si nous étions les continuateurs. Donc c'est ça la question, c'est la question des capacités à protéger nos dynamiques porteuses. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Regardez, je donne un exemple très concret. Prenez le réseau de lutte contre la corruption qui a été créé en 1997. C'est une très belle organisation qui a une contribution très importante, puisqu'on m'a demandé d'évaluer cette contribution en 2012, je l'ai évaluée et j'ai vu qu'elle a une contribution très importante. J'ai par exemple documenté qu'un enfant est allé avec son père à l'hôpital et le père a voulu corrompre, l'infirmière a demandé de l'argent, le père a voulu donner de l'argent et l'enfant, je pense que c'était une fille de 11 ans, a dit non, il ne faut pas donner de l'argent, le RELAC a dit de ne pas donner de l'argent à l'hôpital. Et c'était un enfant qui avait lu la bande dessinée Kuka du RELAC, qui est une bande dessinée d'initiation contre la corruption. Par exemple, je ne suis pas sûr que si on dit que le RELAC a des problèmes aujourd'hui, nous on va s'intéresser à l'affaire. Vous êtes d'accord? C'est ça la question de la protection des dynamiques historiques. Si le RELAC a des problèmes aujourd'hui, nous devons tous nous demander comment on fait pour faire en sorte que le RELAC n'ait pas de problème. C'est comme ça qu'on peut être en capacité. Donc il a manqué ça, la capacité à protéger nos minorités et nos dynamiques historiques. J'indique très clairement ce que ça veut dire protéger. Ça ne veut pas les dire, les mettre dans un cocon qui les embourgeoise, ils deviennent des bourgeois compradors, ils deviennent des champagnards, et puis ils oublient la situation du pays. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il nous a aussi manqué, me semble-t-il, dès qu'on commence une initiative, il nous a manqué une capacité à penser le long terme dès le début. Regardez, le 4 août 1983, le 3 août 1983, Sankara envoie un émissaire pour dire à Blaise de ne pas venir pour faire le coup d'État, d'arrêter. Sankara à l'époque en résidence surveillée. Parce qu'il dit on n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que la question de l'organisation n'était pas encore achevée dans sa tête. Donc en réalité, on lui a forcé quelque peu la main. L'histoire, c'est l'histoire qui lui a forcé la main. Donc il faut savoir cela. Il y a des moments où il y a des choses à faire et ce n'est pas le moment de faire. Et si vous le commencez aujourd'hui, ça n'aura pas de lendemain. Il y a ça aussi, donc la capacité à prendre du souffle avant de commencer quelque chose. Si vous commencez quelque chose, vous n'avez pas le souffle, ça va s'arrêter tout de suite, ça va être un feu follet, comme beaucoup de nos dynamiques. Et c'est cela qui est en cause, cette capacité à s'inscrire dans la longue durée. Et dernière chose, c'est aussi la conscience historique. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de Norbert, si vous ne savez pas comment on peut tous légitimement regretter qu'on l'ait laissé assassiner, s'il y a un nouveau Norbert, vous n'allez pas savoir qu'il y a un travail à faire. Et ça, c'est la conscience historique qui nous enseigne cela. Donc, au lieu de brimer ceux qui n'ont pas fait hier, tirez les leçons d'eux pour pouvoir faire ce que vous pensez qu'ils devraient faire. Donc, ça, c'est extrêmement important également. Donc, ce qui manque à tout moi, c'est aussi ce retour à l'histoire. Nous, quand on a voulu créer Free Afrique, on m'a mandaté, moi, de faire un travail sur les initiatives similaires. Et j'ai fait un texte que j'ai présenté à mes camarades où j'ai appelé « Les cinq générations d'intellectuels africains ». Donc j'ai fait l'histoire des intellectuels africains depuis Blaise Diagne, qui était ce député sénégalais, la génération de Blaise Diagne, de Tovalu Kenom au Bénin, jusqu'à la génération de Senghor, Blaise Ndiaye. Et puis je suis arrivé à la génération de Kizerbo, de Charanta Diop, de Amadou Makhtar Mbo, on les a suivis. Et puis on arrive à la génération, on va dire qui, peut-être de Elikiam Bokolo, ainsi de suite. On a fait ça et on a regardé leurs contributions. La leçon qu'on en a tirée, qui nous a éclairé, c'est qu'on s'est rendu compte que ceux qui n'ont pas travaillé dans les institutions africaines n'avaient pas une grande utilité. Ceux qui ont travaillé dans les institutions non africaines, leur contribution reste dans les institutions non africaines. Il est allé au FMI, il a été très brillant au FMI, c'est bien. Il ne peut pas changer le FMI, il ne va pas faire que le FMI va devenir pour nous. De sorte que, cher Anta Diop, quand on l'interroge, le lendemain de sa soutenance, le jour de sa soutenance, il dit à la RTS, la vidéo, la leçon est heureusement conservée, c'est sur YouTube, il dit, je cherche le prochain avion, ne sais pas, pour aller à Dakar, former la prochaine génération d'historiens. Donc, c'est pour expliquer, et c'est ça qui fait qu'il y a aujourd'hui des grands historiens qui se reconnaissent dans cher Anta Diop, en Kizerbo, ainsi de suite. Si vous êtes dans la fascination du succès des autres, vous allez aller renforcer leur succès et donc créer davantage de gaps entre eux et nous, créer davantage d'écart entre nous et nous. Si chez vous, on ne dit qu'il n'y a rien, venez construire sur votre rien. C'est ça qui est chez vous. Donc, c'est la leçon qu'on a apprise en regardant les aînés. Et c'est pour ça que quand moi j'ai fini, j'ai dit, si on fait, j'ai fait une semaine en France, je ne suis pas le fils de Salam Gawa Ouédraogo, mon père. Donc, je suis rentré directement. Et quand je rentrais,
J'avais le bonheur que je savais les difficultés qui m'attendaient. Donc ça aussi, c'est une capacité à regarder la réalité pour ne pas vous dire « Oh, moi je rentre, le gars il rentre, il arrive, il est à l'aéroport, viens l'accueillir, il va changer le pays. Et puis vous allez faire quoi après ?» Il ne connaît pas la réalité du pays. Donc c'est ce que je voulais dire. Et la dernière chose sur laquelle je veux finir, mon projet de le père et le fils, Sankara Kizerbo, je vais trouver le temps pour l'écrire. Peut-être qu'il faut le faire moins ambitieux, comme ce que je suis des fois perfectionné, donc ça traîne. En réalité, pourquoi je veux le faire? Ce n'est pas pour dire que j'ai écrit un livre. Hein. Non. C'est un projet politique. Je veux contribuer à créer une praxis de changement du réel dans notre pays. Je suis convaincu que ces deux grands hommes peuvent être cristallisés dans une synthèse, pas une synthèse forcée, peuvent être transcendés dans une sorte d'alchimie sincère de leur connaissance et qui va nous éclairer demain. Donc c'est ça la politique, la grande politique que j'ai fait là, c'est ça. Et ça, ça peut servir des partis politiques, ça peut servir des jeunes qui sont engagés ailleurs, ça peut servir tout ça. Parce que quand on vous dit le programme politique, vous dites on va construire des routes, on va construire. C'est facile ça. Il faut aller plus en profondeur. Et c'est ça qui permet de créer ça. Donc c'est ça, c'est un projet d'abord de nourrir ça, mais aussi c'est tout à fait personnel aussi pour me construire en m'identifiant à ces grands hommes. Et c'est par ce dernier point que je vais finir en disant si on pense qu'ils auraient pu travailler ensemble, qu'ils auraient pu se rencontrer, faites en sorte qu'ils se rencontrent en nous. Soyons la synthèse de ces grands hommes que nous admirons. Merci beaucoup. Merci. Merci.